Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très belle journée. Surtout que vous m'écoutez aussi parfaitement bien. Bonsoir Frankie, Fatim. Merci à tous ceux qui mettent les j'aime, les cœurs. Merci. Et merci à tous ceux qui partagent aussi. Merci d'avoir fait un tour de partage. Bellissima Bonetta, bonsoir. Arlette, tu n'as pas copié le message. Copie le message en fait avant de le mettre en commentaire. Sinon, on ne comprendra pas de quoi parle le lien, tu vois. Le message là, tu copies, tu mets ici. Tu vis bien, merci. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci de partager, vraiment superbe. Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous afin qu'on parle de notre thème de ce soir, qui est comment rendre un homme accro. Accro, ça veut dire plus amoureux, parce que quand tu es dans une relation, toi un homme, toi une femme, tu dois pas te contenter du fait que ton partenaire soit juste amoureux ou bien qu'il soit juste attaché à toi. Non, en relation, tu dois pouvoir maîtriser ton homme. Je ne t'écoute pas. Vous ne m'écoutez pas. S'il vous plaît, faites-moi signe que vous m'écoutez. Le son n'est pas audible. S'il vous plaît, faites-moi savoir. Merci Ronif aussi depuis Yaoundé. Merci. Yaoundé aussi, c'est ma ville de cœur. Ton mari doit être heureux. Merci. Tu es très heureux. Merci. Bonsoir, tu parles vraiment bien. Pour te dire, je te kiffe trop. Merci. Dites-moi si vous m'écoutez, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne m'écoute pas là. Le son est bien. Ok, merci de signaler que le son est bien. Merci de partager le live aussi. C'est trop bas. Marie Mireille, tu dis que le son il est bas. Pourtant, je suis en train de crier. Vous ne m'écoutez pas. Volume à fond et je suis même en train de crier là où je suis en train de crier. Il fallait vraiment ce thème, d'accord Blandine, merci ma chérie. Là je suis en train de crier, dites-moi si le son est bon. Ça gratte un peu. Très impressionnant, merci. 100% le bon. Je vous adore depuis le Sénégal. Merci, merci à toute la communauté sénégalaise. On dit souvent bonjour en langue sénégalaise. J'ai oublié. Pourtant, j'avais vu ça dans une vidéo. Je sais pas comment on dit. Le volume est à fond. Le son passe chez moi. D'accord, merci. Le son est très bien. C'est pour te distraire. Ah, s'il vous plaît, ne me dérangez non plus pour cette histoire de son, parce que sinon là. Après, je serai vraiment déconcentré. Il y a aussi des hommes qui t'écoutent. Bien sûr, parce que quand je parle de comment rendre son homme accro, il faudrait que les hommes se sentent concernés. Parce que ce que je vais dire, comme je dis, dans tous mes lives, je ne fais pas une discrimination. Je suis impartiale. Donc, tout ce que je dis pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Chacun essaie de retranscrire ça en fonction de sa situation. Je pense que nous devons également augmenter le volume. C'est ce que moi j'ai fait. Merci, Blandine. Je pense que chacun devrait augmenter le volume. Il y a des, pourtant, il n'y a personne dans l'appartement ici. Je suis seule, donc du coup, il ne devrait pas avoir de murmure quelque part. Je suis bien habillée. Je suis toujours bien habillée. Donc, comment tu me dis, moi, aujourd'hui, je suis toujours bien habillée. Ah, si je ne m'habille pas bien, je m'habille très bien. Et puis, eh bien, je suis contente. Si tu nous aides beaucoup dans nos différents couples, merci. Avant de commencer, je vous présente ma tenue comme à chaque début de live.
Chaque début de live, je vais vous présenter ma tenue. Ma chaise. Donc, voici ma tenue. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Elle se présente ici. Donc, là, voici ma belle robe. Elle se présente ici. Voici ma tenue. Elle est disponible pour toutes les personnes qui sont intéressées par ma tenue. Il y a plusieurs robes comme ça. Il y a plusieurs modèles. Et elles sont disponibles pour toutes celles de la diaspora, surtout toutes celles qui sont en Europe, en Europe en particulier, bien sûr. France, Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, pour toutes celles qui sont intéressées par des robes comme celles. Ce sont des robes, parfois, il y a plusieurs motifs. Il y a les motifs en dope, il y a les motifs en tenue des anglophones du sud-ouest. Là, il y a plusieurs sortes de robes, il y a les longues, il y a les courtes, il y a plusieurs modèles. Elle ne coûte que 35 euros pour les longues et 30 euros pour les courtes. Donc, vous avez plusieurs modèles disponibles. Toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez me contacter sur Messenger. Je vais me laisser un message pour les robes. Regardez, elles sont très jolies. Voilà. Donc, chaque début de l'âge, je vais vous présenter ma tenue. Parce que moi, je fais beaucoup dans l'habillement aussi. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que mon style vestimentaire, il est un peu différent des autres. Et puis, il est très soigné parce que l'habillement, c'est aussi un de mon domaine préféré. C'est ma définition même. On va demander, elle, c'est quoi ton domaine de prédilection? C'est l'habillement. Donc voilà ma robe, je l'ai mis avec des petits talons comme ça, marron couleur crème, pour casser en fait le côté un peu sombre de la tenue. Donc voilà ça, c'est disponible au prix de 35 euros. Celle-ci ne coûte que 35 euros. Vous pouvez la porter même pour faire des sorties, même pour rester à la maison, même pour aller rendre visite à la belle famille. Tu es ici en Europe, tu dois aller voir rendre visite à ta belle famille. C'est comme ça que tu dois t'habiller. Ce n'est pas important le jean ou important des robes sexy. Non, la vraie femme africaine s'habille ainsi. Donc vous avez ça qui est disponible. Il y a plusieurs modèles. Permettez-moi de vous montrer les autres modèles avant qu'on commence. Plusieurs modèles qui sont disponibles pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, il y a par exemple aussi celui-ci, cette robe ici qui est faite. Ça c'est la tenue des Baminda pour toutes celles qui sont du Cameroun. Les Camerounais connaissent déjà, même dans d'autres régions aussi, dans d'autres pays aussi, pas seulement au Cameroun. Donc vous avez ça qui est très long. Donc si vous êtes grande taille, ça vous ira parfaitement. Elle ne coûte que 35 euros. Donc, et je livre partout en Europe, c'est disponible aussi. Tout comme c'est que ça là aussi, elle est à vendre. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle-ci, il y a un autre aussi qui est disponible. Il y a tellement en fait, je ne peux pas tout présenter, sinon le live serait long. Mais je vous présente quelques-uns. Il y a aussi ce magnifique pince là, qui est très joli. Et chaque pince est différent parce que c'est des modèles uniques en fait. Ce sont des pièces uniques. Ce ne sont pas des pièces, vous allez voir plusieurs identiques, non. C'est chaque modèle, sa pièce est unique. Donc je prends uniquement des pièces uniques. C'est ça qui va faire en sorte que vous savez que si vous l'achetez, vous ne verrez personne d'autre avec ces pièces uniques uniquement. Donc voilà, vous avez aussi celui-ci. Vous avez encore ceci aussi qui est en dope, tenue traditionnelle. Donc même les filles qui doivent aller rendre visite aux belles familles ou qui doivent aller dans des mariages, vous pouvez porter ça. Moi si on m'invite à un mariage, je suis pas avec mon chéri, je suis habillée comme ça. Lui peut mettre sa veste s'il veut, mais moi je suis habillée comme ça, mais je suis très bien habillée. On croirait même que c'est moi la mariée. Parce que ça change en fait des chemises, ça change des pantalons jeans, ça change de tout ce qu'on voit au quotidien. Donc vous avez aussi ceci qui est disponible au prix de 35 euros. Donc les mamans, que vous soyez maman, tata, grand-mère, vous pouvez porter ça. Et vous les hommes, vous pouvez acheter pour offrir à vos femmes, à vos copines, à vos soeurs, parce que bientôt la Saint-Valentin, donc c'est l'occasion d'offrir des cadeaux, de pareils cadeaux à vos familles. Donc moi je suis très attachée à la culture, donc c'est pour ça aussi. Donc même à travers mes vêtements, mon habillement aussi reflète déjà ma ligne éditoriale, c'est-à-dire ma culture. Donc vous avez aussi celui-ci. Il y a plein de modèles en fait. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, qui voudraient voir des modèles de plus près, vous me faites savoir. Donc ça sont les modèles de 35 euros. Vous avez aussi des modèles de 30 euros disponibles. Je peux vous faire voir certains. Vous avez aussi ce modèle-ci. Regardez comment ceci. Elle est magnifique, cette robe ici-là. Elle est très très belle. Très très très, mais alors très très belle, cette robe ici. Elle ne coûte que 35 euros celle-ci. En plus, c'est le wax, le bon wax. En plus, c'est doublé. Et vous avez toujours des poches. Une robe sans poche,
Une robe africaine sans peau, ce n'est pas une robe. Donc, vous savez déjà, donc, il y a toujours des peaux sur le côté de chacune de ces robes-là. On sait que les femmes, tout le temps, elles ont toujours tendance à vouloir mettre la main dans la poche pour mettre le téléphone ou je ne sais pas quelle identité. Donc, vous avez ce modèle, c'est aussi 35 euros disponible. Il y a tellement de pièces. Vous avez encore aussi celui-ci. Celui-ci est comme celui que c'est comme celui-ci, là, c'est presque similaire. Mais c'est avec un autre tissu, vous avez ça, qui est presque similaire. Vous voyez les manches, regardez l'arrière. C'est tellement grand, il y a le tissu. Donc, c'est similaire à celui-ci. Et comme j'ai dit, il ne coûte que 35 euros. Partout en Afrique, partout en Europe, autant pour moi, vous pouvez commander. On expédie partout en Europe. Que vous soyez en France, Canada, France, Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie. Vous passez vos commandes et directement on expédie. Sur une semaine, vous le recevez. Donc, vous avez tous ces modèles-là qui sont disponibles. Il y a plein de modèles, plein d'autres modèles. Donc, vous les avez pour 35 euros. Donc, voilà. Bon. Ma chaussure, par contre, n'est pas à vendre, bien sûr. Ma chaussure n'est pas à vendre. Mais la robe, si, par contre. Bon. Pour vous voyez mieux. Voilà. Et même avec, vous voyez que quand tu portes le genre de robe, si tu dois porter des trucs africains sur toi, tu ne peux pas mettre ça. Après, tu mets un collier en or, c'est pas beau. Quand on s'habille, il faut respecter les codes de l'habillement. Tu portes des habits traditionnels un peu africains comme ça. Même tes colliers, ton bracelet doit refléter cela. Donc, comme ça, vous allez voir que quand je m'habille comme ça, je mets de pareils colliers, même de pareils bracelets. Je ne mets pas les chaînes en or, les trucs comme ça, non. Je mets justement les trucs simples. Même la montre, elle est discrète parce que le bracelet est déjà ample. Donc, il faut une montre qui est assez discrète. Et afin qu'on puisse, tu puisses mettre en valeur le vêtement et les colis. Et les colis et tout ce qui va avec. Donc voilà ça. J'ai fini de vous présenter les tenues. On part dans le vif du sujet. Je suis depuis la Côte d'Ivoire. J'aime ta gamme. Merci. Ça passe mieux. Tu es chinoise. Non, je ne suis pas chinoise. Très bien, merci. Voilà. Bon, c'est très joli, ma soeur. Merci. Lionel. Donc, vous pouvez... Vous pouvez passer toutes vos commandes. Vous m'envoyez juste un message sur Messenger et puis je vous présente les différents modèles de plus près. Est-ce qu'il y a pour le Gabon, modèle gabonais? Non, tout ça, est-ce qu'il y a, les modèles ne sont pas pour un pays précis. Que tu sois gabonais, congolais, tu peux prendre. En fait, ce n'est pas forcément uniquement les Camerounais qui portent les trucs africains. Ça, ce n'est pas pour un pays précis. Donc... Bonjour, bonsoir madame, c'est François depuis les USA, j'ai besoin de votre WhatsApp. Et puis tu es où? Vous voulez faire quoi avec mon WhatsApp? Vous voulez mon WhatsApp pour faire quoi? Vous avez mon adresse mail, si c'est important, si c'est une collaboration, vous me contactez par adresse mail. Et donc voilà le pain qui est disponible, les robes qui sont disponibles au prix de 35 euros, 35 euros uniquement. Fini toi Philan, merci. Donc on peut commencer notre thème aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je disais, je vais un peu slider les commentaires. Je vais plus pouvoir lire les commentaires parce qu'il faut que je me concentre sur le thème de ce soir-ci. Et puis, je lirai les commentaires. Je répondrai aux commentaires même à la fin du live ou par la suite. Donc, le thème de ce soir, c'est comment rendre son homme accro. Quand je parle d'hommes, je parle aussi des femmes. Mais ce soir, spécialement, je vais me concentrer sur les hommes. Et afin que les femmes puissent comprendre ce que je véhicule, s'il vous plaît, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, l'ouverture d'esprit est obligatoire, c'est-à-dire on n'écoute pas ce que je dis, on comprend le message véhiculé. Je peux dire un truc, pas forcément utilisant les meilleurs termes, ne te focalise pas sur la forme du message qui est véhiculé, focalise-toi sur le fond, qu'est-ce qu'elle essaie de me transmettre comme message, c'est ça que tu dois comprendre. Même quand tu regardes une vidéo, pas seulement les miennes, la question que je te pose tout le temps, c'est qu'est-ce que la personne essaie de me faire comprendre, qu'est-ce que je dois comprendre au sortir de cette vidéo, c'est ça que tu dois comprendre. Laisse la forme, laisse les contours de mots, comprends le forme. Vous devez capter le fond de ce que je suis en train de vouloir dire, homme comme femme. Donc, comment rendre son homme accro? Chère femme, quand vous êtes dans des relations, surtout les relations concubinage, parce que si vous êtes déjà marié, ça c'est un autre level. Donc je m'adresse au couple, tous ceux qui sont en couple, que vous soyez copain, copine, que vous soyez en concubinage, que vous soyez dans un mode de fiançailles et tout. Si vous n'êtes pas encore officiellement marié ou bien si vous ne vivez pas encore ensemble, déjà marié depuis 5 ans, là c'est un peu différent. Mais là je parle en général bien sûr, mais je m'adresse en particulier à tous ceux qui sont en couple, point. Quand on dit couple, vous savez, vous n'êtes pas encore légalement marié. Monsieur le maire ne vous connaît pas encore. Il n'a pas encore posé sa signature sur votre acte de mariage. Donc, ça sont les couples. Comment rendre son homme accro? Toi, une femme, comment tu l'as fait pour rendre ton homme accro? Rendre son homme accro, ça ne veut pas dire aller l'embouter ou comme les Ivoiriens disent, aller le basser. Non,
Ça n'a rien à voir avec les marabouts, ça n'a rien à voir avec les prêtres, les faux pasteurs, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est spirituel. Non, l'envoûtement passe par de simples choses. Quand tu es dans une relation, ne te contente pas du fait que ton homme te dise que bébé, je t'apprécie beaucoup, je t'admire, je t'aime. Non. Tu dois rendre ton homme accro, c'est-à-dire, il quitte d'homme de niveau de homme attaché, il passe à un homme amoureux et puis il passe à un homme accro. Un homme accro, c'est un homme qui ne peut pas se passer de toi et qui va se passer de toi naturellement sans que tu n'aies besoin de l'envoûter. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, une femme, moi je suis une femme, je me contente pas seulement du fait que mon chéri me dise qu'il m'aime, non. Le contraire de le rendre fou de moi, c'est ça. Rendre son homme accro, ça veut dire rendre la personne avec qui tu es fou de toi. Quand il dit fou, c'est pas celui qui va aller marcher dans la rue, non. Vous comprenez, comme il dit, comprenez le message, c'est pas la forme, ce sont des termes. Donc il faut comprendre ça au sens figuré, au sens plus profond du terme. Donc il faut rendre ton partenaire fou de toi, il faut rendre ta femme folle de toi. Le gens qui reste comme ça, c'est que, merde, moi j'ai un chéri à mon côté, j'ai une personne à mes côtés. Et comment rendre son homme accro? Toi, une femme, pour rendre ton homme accro, la première chose que tu dois commencer par faire, c'est un, surtout les hommes africains, les hommes bantous, c'est un, tu dois pouvoir être une femme douce, tu dois pouvoir être une femme soumise. Tu dois pouvoir être une femme respectueuse. Voilà les trois premières choses à faire d'abord. Ça, c'est le premier level. Il y a plusieurs levels. Premier level, tu dois, sur la première barre, il y a les trois signes alignés. Douceur, soumission et respect. Un homme, si tu veux qu'il marche à tes pieds, un homme, si tu veux qu'il te donne même de l'eau, il aille décrocher la lune chaque jour pour te donner. Il faudrait que, au premier niveau de votre relation, là, que la soumission, le respect, la douceur soient installées. Tu peux pas vouloir qu'un homme soit amoureux de toi si tu n'es pas douce, tu n'es pas soumise. À peine il a dit A, tu as dit Z. À peine il a seulement toussé, tu as répondu. Les hommes n'aiment pas ça. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il te rend, qu'il tombe amoureux de toi, surtout encore pire, qu'il soit accro à toi. Il va t'admirer, oui. Même si c'est que tu lui fais toutes les positions du Kama Sutra et que tu n'es pas soumise, il faut savoir qu'il va jamais aller avec l'homme avec toi. Tu es avec un homme depuis 5 ans, tu te demandes, mais il ne veut pas m'épouser, il me promet tout le monde. Forcément, parce qu'il y a petit des éléments, il y a certains éléments sur lesquels tu ne l'as pas encore convaincu. Peut-être le premier level que j'ai cité où il y a les trois barres alignées, la barre de la douceur, la barre de la soumission, la barre du respect, les barres ne sont pas encore fondées, ne sont pas encore imprégnées comme fondation. Toi, la fondation de ton envoûtement qui est naturel, ton envoûtement naturel doit être basé sur la douceur, la soumission et le respect. Une femme africaine, c'est ça. Que les femmes qui sont en Europe n'essayent pas de copier la mentalité européenne, non, parce que nous ne sommes pas européens, malheureusement. Nous sommes africaines. Et les africains, d'abord, comme nous a appris, même quand tu as grandi avec ton père, même quand ton père s'adressait à ta mère, tu voyais comment est-ce que ta mère se comportait. Ta mère se tait pendant qu'il parle. C'est quand il finit de parler qu'elle prend la parole. C'est ça le respect. Un homme te parle directement, tu t'enflammes directement parce que tu es impulsif. L'impulsivité, c'est un truc qui se soigne. C'est pas un truc qu'on est avec, c'est un truc qui se soigne. C'est un comportement qui est changeable. Donc tu peux le changer. Toi, une femme, tu n'es pas douce, tu n'es pas soumise, tu n'es pas respectueuse. Il ne va rien faire avec toi. Ton mari rentre, tu es devant les nouvelles, ou bien tu es toujours sur ton téléphone, sur Facebook, alors qu'il vient de rentrer, au lieu de déposer le téléphone, aller l'accueillir, aller peut-être prendre son sac, aller le débarbouiller, mais tu es sur ton téléphone. Il faut savoir qu'il va partir. Même s'il ne part pas, il faut savoir qu'il ne sera pas accro à toi. Une autre femme dehors va faire les petits trucs là, les petits éléments que je cite là. Il sera dingue de cette femme là. Toi, une femme mariée ou bien une femme en couple, tu te manques, mais il y a toujours une petite là. Mon gars l'aime jusqu'à mon gars est toujours avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Elle est même pas plus belle que moi. Vous allez voir les hommes. Ils sont en couple, mais ils ont toujours des petites dehors. Les petites, tu regardes la petite. Elle est même pas belle. Elle ne sait pas s'habiller. Elle n'est pas éloquente. Elle n'a même pas les moyens financiers. Elle est un peu une juxa, comme on dit, un peu villageoise. Mais le gars est fan d'elle. Mais le gars s'est trouvé quoi chez elle? C'est parce que le gars trouve la tranquillité. Il trouve la paix chez elle. C'est pour ça qu'il est toujours attiré par elle. Le physique n'est pas plus important. Le physique ne rend pas un homme accro. Le physique ne rend pas un homme amoureux. Bien que ce n'est pas à négliger. Mais comme j'ai dit, nous sommes encore au premier level. Premier level, c'est la douceur, la soumission et le respect, ma chérie. Si tu offres ces trois trucs à ton homme, faut savoir qu'il est en train de manger dans ta main. Un homme qui a chez lui la tranquillité, c'est un homme qui est posé mentalement. Et un homme qui est posé mentalement, c'est un homme à qui tu peux tout demander. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui demander, il peut tout offrir. Vous allez voir les hommes, là, vous allez mettre, mais pourquoi est-ce que le gars, c'est là, quand vous allez voir, vous-même les hommes, entre amis. Vous avez l'impression que le gars s'y donne tout à sa femme. Mais pourquoi est-ce que c'est comme sa femme là se met angoissée? Et il y a les belles soeurs comme ça. Tu vois ton frère, tu vas lui dire, tu vas penser que non, sa femme l'a envoûté. Vous avez dit que non, forcément la femme s'est envoûtée. Pourquoi est-ce qu'il offre beaucoup de choses à sa femme? C'est parce que sa femme lui apporte une tranquillité d'esprit. Avec sa femme, il se sent bien, il se sent posé, tout est agréable avec sa femme. Je suis en lave, quand on voit, tu peux m'appeler. L'homme a besoin d'une tranquillité, d'une paix. D'une paix mentale. Et pour le rendre à court, tu dois d'abord lui offrir ces premières choses-là. Une fois que tu lui offres ça, maintenant on descend au deuxième level. Deuxième level, une fois que tu as offert à l'homme la douceur, la soumission et le respect, maintenant, une chose maintenant que tu dois faire, une femme qui veut rendre son homme accro, c'est une femme qui sait se faire désirer. Une femme accro, une femme qui veut que son homme soit dingue d'elle, c'est une femme qui sait se faire désirer. Et quand en fait, on parle de se faire désirer, bien sûr, il ne faut pas le prendre à l'extrême. Il faut comprendre ce que il dit. Ne prenez pas le mot désir à l'extrême, c'est-à-dire
te prendre pour la reine de l'Angleterre. Non, une femme qui sait se faire des ailes, c'est une femme qui est indisponible mais qui est accessible. Donc tu es indisponible, tu es accessible. C'est-à-dire, une femme qui sait se faire des ailes, c'est une femme qui, copain, copine, ton gars veut te voir aujourd'hui tout le temps, tu dis oui. Bébé, on peut se voir aujourd'hui, oui, tout le temps, oui, tu es tout le temps dans les narines du gars. Il faut savoir que tu ne vas pas le rendre accro. Le fait qu'il soit avec toi tout le temps, il ne veut pas dire qu'il t'aime trop. Non, il faut que les femmes arrêtent de penser comme ça. Le fait que tu sois avec ton gars chaque jour, il veut te voir. Il veut entrer dans toi, il veut te mougou tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime, ma chérie. Ça ne veut pas dire qu'il est accro à toi. Il peut t'admirer ou bien il peut être attiré vers toi sexuellement ou vers toi pour un intérêt précis. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Faut arrêter d'être tout le temps dans la peau de l'homme. Tout le temps, il veut te voir, tu es là. Il veut que vous sortez, tu es là. Il faut parfois te rendre indisponible, c'est ça qui va le marquer. Le genre, il faut créer le manque en son partenaire, c'est très important. J'avais fait une vidéo dessus, mais les gens, certaines personnes n'ont pas compris, mais beaucoup de personnes, j'étais contente que beaucoup de personnes ont compris le message. Quand on est en couple, il ne faut pas forcément être ensemble tout le temps pour prouver qu'on s'aime. Non, il faut parfois créer le manque. Le genre, tu restes content, tu dis, ah, lui me manque, ça fait peut-être 3 jours, on ne s'est pas vu. Il faut que j'aille le voir, il faut un peu que j'aille le voir, c'est ça. Il faut que parfois, toi, tu es une femme, tu restes comme ça, là, tu dis, ah. Mon chéri me manque, c'est ça. Et l'homme, en fait, c'est l'impact que tu dois créer en lui. L'homme, en fait, doit rester, doit dire, ma copine me manque. Ma femme, si me manque, ouais, Seigneur, qu'elle rentrait souvent ici, là. Il y avait une femme qui me faisait les bisous, qui lavait mes pieds, qui me massait avant de dormir, elle me manque, les trucs comme ça. Mais si tu lui offres ça tout le temps, tu ne crées pas de manque, tu ne le rends pas accro à toi. Tu ne le rends pas accro à toi parce que l'homme, en fait, c'est un chasseur. Il faut que les femmes comprennent que les hommes, c'est les chasseurs. Ils aiment les défis. Ils n'aiment pas tout ce qui est facile. Ils n'aiment pas la facilité. L'homme aime quand tout le temps, il est au défi. C'est pas que tu le mets au défi, mais il doit se sentir tout le temps en défi. Il doit se sentir tout le temps en mode conquête. Il sait que je dois conquérir cette femme. Et c'est ça que tu dois imposer dans la tête de l'homme. C'est que tu ne dois pas mettre dans la tête de ton chéri qui t'a prise comme acquise. Non. Tu dois mettre dans la tête de ton chéri que l'homme doit tout le temps devoir te conquérir. L'homme doit te conquérir à chaque instant. Même le mariage, c'est pareil. Même la femme. Tout le temps, c'est dans la séduction. Que vous soyez comme quand tu es copain, copine, là, tu es belle, tout le temps, tu prends soin de toi, tout le temps, tu te fais belle, tout le temps, tu es respectueuse. Même dans le mariage, c'est pareil. Parce que le mariage, c'est juste l'acte. C'est le mariage, là, c'est pas comme si c'est une autre étape de la vie. C'est juste le papier qui différencie. Parce que vous allez vivre les mêmes choses que vous vivez là. Vous vivez toutes les mêmes choses. Le riz que vous avez mangé avant le mariage, c'est le même riz que vous avez mangé après. Rien ne change. C'est juste le papier qui change. Donc, il est important pour toi de te comporter de la même façon que tu te comportes quand tu es en couple, quand tu es marié. Ne change pas drastiquement parce que bon, j'ai l'alliance que je voulais, alors je n'ai plus besoin d'être respectueux. J'ai l'alliance, il m'a épousé, il peut faire ce que je veux. Oh, moi, je suis à la titulée, je suis légalisée. Non, vous blaguez les hommes. Si vous avez vu la vidéo qui est faite en juillet sur les hommes mariés, vous blaguez les hommes mariés. Même si c'est qu'il a ta photo sur ta photo, il a ta photo en photo de profil WhatsApp, il va draguer. L'homme n'a pas peur. Si tu te comportes mal là, il va draguer une autre à côté. Il ne part même pas chercher l'homme. Et la photo, le profil, l'acte de mariage ne symbolise rien pour l'homme. Parce que vous savez, vous êtes tous conscients que, en général, les hommes, quand ils épousent, c'est pour faire plaisir à la femme, c'est pour honorer la femme que l'homme va à la mairie. Ça dépendait que les hommes ne se marient pas. C'est parce qu'ils veulent honorer la femme avec qui ils sont, qui vont à la mairie, qui vont doter la femme. Donc, la femme, toi, une femme, tu dois pouvoir te faire désirer tout le temps ton mari, quand il veut te voir, même si tu ne fais rien aujourd'hui. Vous êtes vu lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais te voir. Tu dis que bébé, j'ai rendez-vous avec des copines. Bébé, j'ai un truc à faire. Bébé, j'ai une sortie à faire. Bébé, je dois travailler. Même c'est que tu dois rester dormi. Même c'est que tu dois travailler. Apprends à avoir le temps aussi pour te concentrer toi. Apprends à créer l'espace en fait. Apprends à te créer un autre monde. Pour rendre un homme accro, il faut qu'il sente qu'il n'a pas encore acquis cette femme-là. Qu'il n'a pas encore acquis. Qu'il est tout le temps en perpétuelle conquête. C'est ça qui prend une personne accro. C'est pareil pour la femme. Comme je dis, c'est la même chose. Tu veux rendre une femme accro, il faut que tu te rendes parfois indisponible. Mais tu es accessible. Donc il faut être indisponible et accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es indisponible. Accessible, ça veut dire que quand il t'appelle, tu es poli au téléphone. Vous ne vous êtes pas vu peut-être, ça fait 2 jours, mais vous écrivez tout le temps. Quand il t'appelle, bébé, oui, ça va, chérie, je vais très bien et tout. En femme africaine, tu réponds poliment, donc tu es accessible. Ça veut dire que quand il t'appelle, tu es poli au téléphone, tu n'es pas, ah non, on ne s'est pas vu depuis 2 jours, tu restes 2 jours dans ton coin, tu ne me calcules pas, ou bien tu te plains pour rien. Non, 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 ça ne rend pas accro. Ça ne rend même pas, ça ne fait pas de toi une femme fatale. Les femmes fatales sont les femmes qui rendent les hommes accro, qui rendent les hommes dingues. Et c'est naturellement, pas d'envoûtement. Quand on voit les couples comme ça, quand tu marches avec ton chéri, les gens t'envient, ils disent que ma fille, je suis sûr qu'elle a envoûté son gars. Non, elle n'a pas envoûté son gars, c'est parce qu'elle sait se comporter. Elle sait ce qu'il faut pour rendre un homme accro. Et c'est comme ça que les femmes doivent penser maintenant, tout le temps dans ta relation, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon homme accro? Et même si elle, mais il faut qu'il soit accro à moi, il faut que dans sa tête, là, ce soit mon image qu'il a en tête tout le temps fréquemment. Qu'il ne pense même pas prendre une deuxième femme ou prendre une quelconque maîtresse dehors. Parce que tout le temps, tu as déjà temporisé, donc tu as impacté son cerveau. Il n'a pas le temps de réfléchir, de penser à une autre personne. C'est ça que les femmes doivent faire dans leur relation. Ne vous contentez pas de dire que mon homme, il est attaché à moi, non. Ne vous contentez pas de dire que mon homme, il m'aime, non. Contentez-vous de vous dire que mon homme,
je dois le rendre accro, je dois le rendre amoureux, bien amoureux de moi. Parce que c'est ça même qui fait, c'est ça qui solidifie les couples de nos jours. Le fait que les hommes soient bien amoureux et pareil pour la femme, c'est comme je dis, c'est dans les deux sens en fait. Une fois maintenant que tu as fini d'être indisponible, accessible, on passe à un prochain point. Toi, une femme, si tu veux rendre ton homme accro, il faudrait que tu puisses comprendre que le sexe ne rend pas un homme accro. Il faudrait que tu mettes ça en tête, ma chérie. Le sexe ne rend pas ton homme accro. Ça, c'est clair. Ça, c'est une vérité d'ordre général. Ton chéri, il veut entrer dans toi, même si que vous êtes en concubinage. Il veut tout le temps que vous ayez des rapports, tout le temps, tu t'écartes, oui. C'est pas ça qui va le rendre accro. Puis encore, comme j'ai dit, copain, copine. Parce que comme j'ai dit, quand vous êtes marié, là, c'est un autre level. Mais là, je parle plus des couples, des couples qui sont copains, copines, qui n'ont pas encore signé d'accord, ou bien qui sont en concubinage, ou bien qui sont en fiançailles. Tout le temps, il veut entrer dans toi, tu dis oui. Sache qu'il va seulement être attaché à toi sexuellement parlant. Il va t'aimer sexuellement parlant, mais il ne va pas viser loin avec toi. Parce qu'il sait que chez lui, avec toi, là, dès qu'il veut seulement, dès que son truc est un peu debout, il veut directement, il sait que tu vas donner. Non. Pour rendre un homme accro, il faut parfois dire non. Même si toi-même tu es excité, tu as envie. Parfois non, il faut dire non. Je n'ai pas dit tout le temps, mais quelques fois il faut dire non. Il veut avoir des rapports, tu dis non, bébé, je suis fatigué, j'ai mes menstruations, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, on peut le faire demain. Ou même tu attends le lendemain. Il va te bouder le lendemain à 5 que tu peux le récupérer. Il n'y a pas de souci. Là, c'est ton droit. Tu le récupères après. Mais à l'instant, c'est quand lui l'a voulu, là, tu dis non. Il va dormir en boudant un peu là. Mais il faut savoir que tu es en train de marquer son esprit. L'homme aime ça. Il aime les défis. Tout le temps, il est dans toi. Il dit que bébé, je viens. Tu es à partir t'épiler. Comme il vient là, tu fais la même chose tout le temps. Non, ça ne rend pas un homme accro. Ça ne rend même pas un homme amoureux. Il va seulement t'aimer sexuellement. Il va te prendre même comme sa poupée sexuelle. Vous allez voir les filles ici là. Même quand je reçois beaucoup de messages comme ça sur Messenger. Des jeunes filles qui me racontent leurs histoires. Je vois une fille, elle va te dire qu'elle avait son gars tout le temps. Ils ont des rapports. Elle se dit que non, mon chéri, même trop. Je lui ai dit, ma chérie, ton chéri ne t'aime pas. Un homme qui t'aime, il ne va pas vouloir te mouiller matin, midi, soir, chaque temps comme ça. Et toi, tu là, tu donnes. Après, quand toi, tu as les vrais problèmes, il n'est pas là. Tu as les vraies difficultés dans ta vie, tu le fais face. Toi, tu viens me dire que non, il ne réagit pas. Parce que c'est qui te fait même l'amour et qui réagit à des situations, à le problème que tu traverses. On va comprendre qu'il s'inquiète pour toi, il s'intéresse à tes projets. Tu es avec un homme, tu es étudiante, il ne te demande jamais comment est-ce que ça se passe à l'école. Il ne te demande jamais comment est-ce qu'évoluent tes examens. Il ne te demande jamais comment même va ta famille. Il s'intéresse, bref, pas à ta vie. Mais tout le temps, il est dans toi, tout le temps, il est dans tes fesses. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Non, même c'est qu'il va dire que bon, parfois il y a les femmes qui réussissent, il y a les femmes parfois qui réussissent à entrer dans l'esprit de l'homme sexuellement parlant. Mais un homme qui entre dans ton esprit en tant que femme ou qui entre dans l'esprit de la femme et qui malheureusement, ou bien qui je veux dire, qui heureusement est amoureux, il va malgré le sexe, il va s'intéresser à toi. Donc, après le sexe là, vous aurez une vie. Mais après le sexe, vous n'avez pas de vie, c'est-à-dire que vous ne parlez de rien. Il n'y a rien qui vous unit. Il n'y a rien en fait, vous n'avez pas de projet en commun. Il ne s'intéresse pas à ta famille, il ne pose pas de questions sur toi, ni sur ta famille ou sur tes projets. Il faut savoir qu'il ne t'aime pas. Il est attiré par toi juste pour le sexe. Dès qu'il aura fini de sucer tout ce qu'il a sucé, il va partir. Ça ne va pas le rendre accro, non. Un homme, pour le rendre accro, il faut parfois dire non. Même sur le sexe, là, le sexe ne rend pas accro. Vous savez que le plus vieux métier au monde, c'est la prostitution. J'espère que vous le savez. Le plus vieux métier au monde, c'est la prostitution. Si le sexe rendait les hommes accro, si les hommes épousaient les femmes à cause du sexe, c'est que toutes les prostituées sont mariées. Parce que toutes les prostituées connaissent l'art du Kama Sutra. Elles connaissent toutes les positions du ciseau, toutes les positions. Elles connaissent tourner l'homme. Donc les roucascas, les pancakas, elles ont fini avec. Les prostituées ont fini avec. Si les hommes étaient attirés par ça, c'est que toutes les prostituées seraient mariées. Si tu penses que tu vas donner parce que tu ouvres tes fesses tout le temps à l'homme, chaque temps, matin, midi, soir, ça va le rendre accro. Ma copine, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. Non, pas du tout. C'est le sexe, là. C'est que toutes les femmes, c'est que toutes les prostituées sont mariées de nos jours parce que les prostituées ont fini avec le sexe. Pour juste pour te faire comprendre que le sexe ne rend pas un homme accro. Non. Ce n'est pas en lui donnant matin, midi, soir que tu vas le rendre accro. Tu lui donnes aujourd'hui, demain, oui. Après demain, tu dis que tu es fatigué. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme ou bien qu'il va aller voyager. S'il va aller voyager, qu'il aille voyager, pas de souci. Donc, parce qu'il ne t'a pas donné mercredi, il t'a donné lundi, mardi, mercredi, il ne te donne pas, tu vas aller voyager. Monsieur va voir ailleurs. Parce que même si tu donnes mercredi et que je refuse jeudi, tu peux aller voir ailleurs. Donc, ce n'est pas un justificatif nécessaire ou bien suffisant pour justifier ta bêtise. Un homme qui va aller voyager, même si tu fais quoi, il va toujours aller voyager. Donc, il aille voyager. Ce n'est pas pour autant que tu vas t'épuiser ou bien que tu vas essayer d'être une autre personne parce que tu veux le satisfaire. Non. Sache que donc, ma chérie, que le sexe ne rend pas accro. Donc, si tu lui donnes tout le temps, là, il faut arrêter ça. Ça ne temporise même pas, ça n'impacte même pas l'homme en fait. L'homme ne te voit pas à un certain niveau. Quand les femmes qui sont tout souvent, les femmes qui sont, même vous voyez les filles sur les réseaux sociaux, l'homme quand il veut se poser pour le mariage, l'homme, un homme sérieux, le physique, c'est-à-dire les filles qui exposent peut-être leur poitrine, qui sont tout le temps dénudées, ils voient, ils aiment. L'homme, ce sont, comme je dis, les hommes sont les malhonnêtes. Ils voient sur les réseaux sociaux, vous voyez les filles qui postent les photos exhibées, il y a les likes comme ça. Il y a les commentaires versés. Les hommes aiment, ils like. Toi, tu as posté peut-être ta photo où tu es bien habillé, bien couverte et tout. Il ne va pas liker.
Mais si, quand il va vouloir se poser, il dit que bon, moi je veux me marier, je vais épouser une femme là. C'est le genre de photo, les filles couvertes là qui partent épouser. Les filles qui s'exhibaient tout le temps en bikini sur les réseaux sociaux, même seulement être en relation sérieuse, elles ne le sont pas. Parce que l'homme, il voit, il aime, mais quand il va se poser là, il va se poser avec une fille qui sait, qui connaît sa valeur, une femme qui est couverte, une femme qui sait que son corps, tout le monde n'a pas accès. Pour te dire donc que le sexe ne retient pas un homme. L'exhibition, le côté sexy là, c'est bien, mais ça ne retient pas, ça ne rend pas un homme accro, pas du tout. Donc, il faut changer cette mentalité là. Et pas lui donner chaque jour qu'il va t'aimer davantage. Non, ça c'est une autre chose. Prochaine chose qu'il faut faire pour rendre ton homme accro, bien prochaine chose qu'il faut éviter de faire pour rendre ton homme accro, c'est qu'il faut éviter, vous les femmes, s'il vous plaît, de vous plaindre pour tout et pour rien. Non, les hommes n'aiment pas les femmes chiantes. Les hommes n'aiment pas les femmes chiantes. Ton chéri vient te voir, on ne veut même pas passer un bon moment. Pour petit trou, tu te plains. Petit trou, tu te plains. Arrêtez de vous plaindre pour tout et pour rien. Ça ne rend pas les hommes accro. Ça ne fait pas en sorte qu'ils s'attachent davantage à toi. Petit truc qui te dit, tu te fâches. Petit truc qui te dit, tu te fâches. Il a l'impression qu'il est dans une relation avec une gamine. Le mariage ou bien la relation, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour ceux qui ont compris vraiment que nous sommes deux personnes qui venons de deux univers différents. C'est-à-dire chacun a vécu selon une éducation. Donc chacun a reçu une éducation différente. On vient de deux environnements différents. Donc deux personnes qui ont vécu dans deux environnements différents, c'est normal qu'il y ait des difficultés parfois à se comprendre, à s'adapter, c'est ça le couple. Mais une fois que tu dois pouvoir en tant que femme comprendre que ton chéri et toi n'avez pas grandi à la même maison, donc du coup il a une éducation, tu as la tienne, vous devez pouvoir vous adapter, donc tu dois pouvoir temporiser, donc mettre l'eau dans ton verre, digérer certaines choses. Petit truc, tu te plains, il fait petite chose, tu te plains, il rentre du travail à 19h, il devait rentrer à 18h30, il rentre, tu fais de ça les problèmes, tu te plains quoi ma chérie? Il faut pas aussi exagérer. Une femme pour rendre son nom à court doit pouvoir prendre certaines choses sur elle. Je n'ai pas dit que tu dois tout tolérer, mais certaines choses, il y a des femmes qui se plaignent trop pour rien. Et les hommes, comme ça, te disent qu'elle est sa chérie, ils ne passent pas une semaine sans se disputer. C'est quelle ces relations bagarres, souvent vous êtes dedans, je ne comprends pas. Vous disputez tous les 2 jours, c'est quoi ça? L'homme va être attaché à toi, cette nuit, il ne sera pas accro à toi. Parce qu'il sait que quand il est avec toi, il ne passe pas de bons moments. Toi, homme ou femme, quand tu vas passer des moments avec ta copine, c'est pour passer des bons moments. C'est pour que vos moments soient chaleureux, soient doux, ce soit des moments vraiment romantiques. Mais c'est que la femme passe son temps à s'énerver pour un peu ou pour rien. Vous allez passer des mauvais moments. Ça va faire en sorte que l'homme ne voudra même plus te voir. Quand tu vas lui dire, bébé, il faut qu'on se voit, il va penser qu'il va venir. Après 30 minutes, tu vas bouder, tu vas commencer à bouder dans ton coin jusqu'à ce qu'il parte et tout. Il ne va pas vouloir venir. Donc les femmes là, arrêtez d'être chiantes parce que ça ne rend pas les hommes accro. Une femme là, elle sait qu'il y a des moments où elle peut s'énerver, d'accord, tout le monde c'est normal, l'énervement est normal, c'est un sentiment que tout le monde peut ressentir. Mais il ne faudrait pas que ce soit dans l'excès, il ne faudrait pas que ce soit pour tout et pour rien. Pour des choses, je veux dire des choses concrètes, d'accord, mais pas pour un message non envoyé à 15h, pour le fait qu'il est rentré 5 minutes plus tard que prévu, tu commences à l'énerver, tu lui balances du n'importe quoi. Non, les hommes n'aiment pas les femmes chiantes, ça ne rend pas les hommes accro. Au contraire, ils ont même les femmes qui... Parfois, les hommes, comme j'ai dit, les hommes aiment le défi. Ils aiment parfois que il doit rentrer du travail à 18h30. Il rentre à 19h. Il s'attend à ce que forcément tu dis que bébé, mais pourquoi tu es rentré à 19h et tout, tu étais avec qui et tout. Mais tu ne dis pas ça. Il sera dans son coin, il va se poser des questions. Je suis censée rentrer 30, je rentre 30 minutes plus tard. Elle ne me pose rien comme question, elle me dit rien. Mais la femme, c'est est-ce qu'elle m'aime même? Voilà. Quand l'homme arrive au stade où il se pose, il commence à douter de si toi tu l'aimes là. Ça veut dire que tu l'as rendu accro. Ça veut dire qu'il est déjà accro de toi. Parce qu'un homme, c'est que tu ne se poses pas la question, ça veut dire que tu ne l'as pas encore maîtrisé, tu ne l'as pas encore tamponné. Un homme, tu dois le tamponner. Ton chéri, tu ne dois pas te contenter, il est attaché à moi. Et il faut pouvoir justement il faut pouvoir contrôler sa jalousie. Et les femmes fatales, comme je l'ai dit dans la vie, les femmes fatales ne sont pas jalouses. Toi, tu dois être une femme fatale. Pour ton homme, à coup, il faut d'abord que tu passes par l'étape d'être femme fatale. Maintenant, quand tu es femme fatale, automatiquement, tu es une femme qui contrôle sa jalousie. Les femmes ne doivent pas être les femmes jalouses impulsivement. Donc, comme il a dit, la jalousie, c'est un sentiment normal. Tout le monde le ressent. Mais il ne faudrait pas que ce soit dans l'excès. Il ne faudrait pas que ce soit pour tout et pour rien. Non. Les femmes doivent arrêter d'être des femmes très impulsives, des femmes jalouses. Ça ne rend pas les hommes accros. Ça ne rend même pas les hommes amoureux. Tu es avec ton gars tout le temps. Tu es en mode doute que je ne sais pas si le gars s'aime. Parfois, tu te dis que le gars, forcément, il m'aime. Mais là, l'autre jour, le gars, si tu ne sais pas s'il t'aime. Parce que justement, tu arrives à un stade où toi-même, tu doutes. Tu doutes pourquoi? Parce que l'homme n'est pas accro. Toi, tu ne l'as pas rendu accro. Pourtant, ça doit être ton objectif. Prochaine chose à faire, prochain point, donc on descend encore en bas. Troisième chose, ou c'est pas le quatrième point à faire pour rendre son homme accro, c'est qu'il faut soigner sa réputation. L'homme bantou, avant d'épouser une femme, il se renseigne. Peut-être les femmes ne savent pas. L'homme bantou, que dit l'homme africain, donc toute l'Afrique là, même occidentaux en général, l'homme quand il veut épouser une femme, il se renseigne. Il se renseigne tout autour de lui. Merci de tapoter le live, ça devient somme. Tapoter le live, partagez s'il vous plaît. C'est la moindre des choses que vous demandez quand je fais des lives, c'est tout ce que je vous demande. Partagez, le tapoter, mettez les cœurs afin que l'image soit de plus en plus claire. Parce que là, ça s'assombrit, chose qui n'est pas normale. Donc, j'étais disant donc que les hommes bantous, quand ils veulent épouser des femmes,
ils font des enquêtes. Ils mènent des enquêtes. Ils ne vont pas te dire, mais sache qu'ils mènent des enquêtes. Ils vont aller se renseigner tout autour de toi ou tout autour dans ta ville. Comment est-ce que les gens te voient? Est-ce que les gens tu as aimé? Est-ce que tu apprécies? Ils vont écouter ce que les gens disent parfois sur toi. Chose qui est normale. Justement, c'est la raison pour laquelle toi, une femme, si tu veux tamponner, tu vas rendre ton homme à quoi? Il faudrait que ta réputation soit soignée. Il faudrait qu'ils sentent que dans ton entourage, tu es tellement aimé, que tu es une personne qui a de la valeur. Tout le monde t'aime, tout le monde veut être avec toi. Tout ce qu'il entend sur toi est pour la plupart positif. Ça ne va pas être, ça va pas être 100% positif parce que même Jésus, tout ce qu'on disait sur Jésus n'était pas 100% positif. Il y a les gens qui ne l'ont pas aimé. Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est pas toi, une femme, qui va faire l'unanimité. Mais il faudrait que la majorité de personnes t'a dit, nous soyons au moins à 75% de revues positives par rapport à toi. Il faudrait qu'ils sentent que tu entres des belles personnes, tout le monde qui dit, ah ça c'est une très belle femme, c'est une femme, bonne femme, elle a de bonnes valeurs et tout. Et ça qui va le rendre accro. C'est ça qui va faire en sorte qu'il soit accro à toi, parce qu'il sait que dans ta ville là, tu es très aimé, ton endroit, tout le monde t'aime, même ta façon de t'habiller, même par ta façon de t'habiller. Parce que bon, il va se renseigner, est-ce qu'il y a des gens qui critiquent ta façon de t'habiller, est-ce que tu t'habilles souvent bien quand vous êtes ensemble, bien en général tu t'habilles bien. Il va essayer de se renseigner, c'est normal. Quand l'homme veut se poser, il se renseigne. Parce que le mariage ce n'est pas la blague, le couple c'est pas la blague, on part pas là-bas en vacances. On sait que c'est pour toute une vie. Raison pour laquelle il se renseigne, il ne veut pas faire de mauvais choix. Et si c'est qu'un homme qui sait qu'il a en face de lui, en face de lui une femme qui a une très belle réputation, une personne qui est très appréciée dans la société, il sera plutôt content. Tu vas plutôt le rendre, accro davantage, il sera plus attaché à toi, il sera plus investi même dans la relation. Donc, femme, il faut soigner ta réputation. C'est très important de soigner sa réputation, autant pour moi. Permettez-moi de m'hydrater. Parlez même d'un soir possible. Donc, chaque femme doit pouvoir soigner son image. Je ne suis pas en train de dire que l'homme doit écouter forcément tout ce qui se dit sur la femme. Parce que tu peux être dans une ville là, les gens ont tous des commentaires ou bien des avis négatifs par rapport à toi. Alors qu'en réalité, tu es une très belle personne. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention. L'homme ne doit pas écouter vraiment tout ce qui se dit. C'est pas parce que tu allais te demander à trois amis, ils t'ont dit que non, la femme c'est mauvaise, ou bien elle a beaucoup eu de relations, elle a beaucoup eu d'aides, que toi tu vas prendre ça comme parole d'évangile. Donc tu dois pouvoir avoir justement, l'homme doit pouvoir avoir le sens du discernement, pouvoir écouter ce qu'on dit, pouvoir discerner si ce qu'on dit est vrai ou faux, tout en observant comment est-ce que la femme se comporte. C'est comme ça que les hommes doivent se comporter, c'est comme ça qu'ils doivent agir. Donc les hommes, les femmes, soyez votre réputation, et les hommes aient le sens du discernement. Prochaine chose à faire que toi, la femme, tu dois faire pour rendre ton homme accro. C'est qu'il faut s'intéresser à lui. Il faut s'intéresser à sa vie. Il faut s'intéresser à ses projets. Tu veux te rendre ton homme accro. En même temps, tout ce qu'il fait, tu ne t'intéresses même pas. Tout ce que tu lui demandes chaque soir, c'est comment était ta journée, bien, tu vas bien, oui. C'est tout ce que toi tu sais faire. Non, ça ne va pas rendre ton homme accro. Il ne sera pas attaché à toi. Il sera pas amoureux de toi. Tu ne vas pas pouvoir le tamponner. Donc tu vas pouvoir entrer dans son esprit. Pour entrer dans l'esprit de l'homme, il faut pouvoir partager son quotidien. Partager son quotidien, ça veut dire qu'il faut être présent pour lui. Tout ce qu'il traversera comme bonheur, comme moment de bonheur, comme moment de malheur, tu dois être présent. Il doit sentir ton omniprésence à tout moment dans sa vie. Il faudrait qu'il rentre du travail, tu puisses lui demander, ça a été ta journée, lui, tes collègues, comment est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que vous avez dit, est-ce que ça avance et tout. S'il travaille sur un projet, il faudrait que toi, tu prennes de temps en temps la peine de lui demander comment avance le projet. N'attends pas qu'il te donne l'avancement du projet, toi, prends la peine de demander, bébé, tu avais lancé le projet, comment ça se passe? Tu sais, si c'est peut-être pour construire la maison, peut-être qu'il veut construire la maison de ses parents. Je vais dire, bébé, les maçons, comment ça se passe? Ils ont déjà lancé la fondation, ils sont au niveau de la charpente, ils sont au niveau de la toiture, de la dalle. Pose-lui des questions, intéresse-toi à sa vie, intéresse-toi à son quotidien. S'il est un membre de sa famille, sois là pour lui. Pour rendre un homme accro, il faut s'intéresser à ça, il faut s'intéresser à ses projets. C'est très important de partager son quotidien à un homme. Si c'est qu'il part, il passe tous ces moments-là, tu n'es pas là. Tu vas pouvoir entrer dans son esprit, il va pas pouvoir, mais il sera attaché à toi à certains niveaux, mais à un moment donné, c'est qu'il va pas, il ne peut pas se poser avec toi parce qu'il sait que tu es une femme qui est à la limite égoïste parce que tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à lui. Donc ne te contente pas chaque soir de l'appeler, bébé, ta journée était. Pose-lui des questions profondes sur sa vie, bébé, comment tu te sens aujourd'hui? Quand tu te vois homme, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu vois tes enfants? Bien, quels sont tes vœux? Quels sont tes projets? Pose-lui des questions profondes, des questions vraiment importantes sur toute sa vie. C'est ça qui va faire en sorte que ton homme soit accro et qu'il soit vraiment attaché à toi. C'est très important. Prochaine chose à faire pour rendre son homme accro, c'est avoir de la personnalité. Une femme qui a de la personnalité, c'est une femme qui a confiance en elle. Tu ne peux pas vouloir rendre ton homme accro, tu n'as pas de personnalité. Vous allez beaucoup m'écouter dans mes lives parler de ce thème parce que c'est un thème qui affecte beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas de personnalité. C'est difficile ou bien c'est malheureux de le dire ici, mais c'est la stricte vérité. Il y a des femmes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont même pas confiance en elles. Elles se regardent dans le miroir et ne se trouvent pas belles. Comment toi, une femme, une créature de Dieu, tu peux te voir dans le miroir et ne pas te trouver belle? How? Comment tu fais ça? How can this be possible? Ce n'est pas possible, ma chérie.
Tu dois te voir dans le miroir chaque matin. Tu te dis, je suis la créature, je suis une créature de Dieu, je suis créée à son image et à sa ressemblance. Je suis belle d'office. Ça fait en sorte que l'homme même ne peut pas te dire n'importe quoi, même dans ta relation. Et l'homme, en fait, pour le rendre accro, pour le rendre vraiment amoureux, qu'il soit vraiment, il mange dans ta main. Il faut pouvoir être une femme qui a confiance en elle, une femme qui a de la personnalité, une femme qui sait ce qu'elle veut. Quand on dit de la personnalité, c'est pas seulement sur le physique, bien que j'arrive sur le physique, mais quand on parle de la personnalité, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme, quand elle discute avec son homme, même son homme comprend déjà sa vision sur le long terme, ce qu'elle veut pour sa vie. Mais vous allez voir des femmes là, elles sont chez son chéri, bébé, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Elle dit que, ah bon, après, je sais pas, bon, tout ce que je vois, je fais. C'est pas une femme qui a de la personnalité. Une femme qui a de la personnalité, c'est une femme qui sait déjà ce qu'elle veut. Une femme qui a plus de 25 ans comme ça, là, qu'on a traversé 25 ans. On doit pouvoir savoir ce qu'on veut dans la vie. Après, à 20 ans, les jeunes filles de 20 ans peuvent se permettre d'être dans le doute. Elles ne savent même pas ce qu'elles veulent, comme travail, comme mari. Bref, elles peuvent encore être dans les vibes. Mais une femme qui a plus de 25 ans, tu dois pouvoir savoir ce que tu veux pour ta vie. Tu dois pouvoir voir déjà dans ta tête une pensée bien tracée de ce que tu veux dans la vie, de ce que tu veux pour ton futur, de ce que tu veux dans le mariage. Tu dois pouvoir savoir tout ça. Une femme qui a la personnalité sait tout ça. Elle sait ce qu'elle veut. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais aussi ce que tu ne peux pas supporter. C'est un comportement des hommes, tu sais, que tu ne peux pas supporter. Tu sais, il y a que, automatiquement, même d'avoir ta vision des choses, impose à l'homme de te respecter naturellement. Tu n'as pas besoin de demander que chérie, je veux que tu me respectes. Il va te respecter naturellement. Une femme qui veut pouvoir rendre son homme accro, doit son homme amoureux, c'est une femme qui doit pouvoir avoir des projets. Quand ton homme te parle de l'avenir comme ça, toi, tu puisses aussi pouvoir répondre parce que tu as aussi des projets. Mais pas ton homme te parle de l'avenir, des projets sérieux. Tu es là comme ça, bouche bée, tu écoutes, tu ne peux rien dire parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas de projet, tu ne réalises rien. À ton petit niveau, tu dois pouvoir réaliser. Comme on dit souvent, c'est la somme de 1 plus 1 qui font 100. C'est la somme de 1 plus 1 qui font 1 million. Donc, à ton petit niveau, tu dois pouvoir avoir des projets que tu veux réaliser. Projet sur court terme, sur long terme, ainsi de suite. C'est comme ça que, c'est ça en fait, ce sont ces éléments-là qui font en sorte que l'homme devient amoureux de toi. L'homme devient accro parce qu'il sait qu'avec toi, il ne pourra pas parler seulement de sexe ou de sortie. Il sait qu'avec toi, il peut parler des choses, des sujets profonds de la vie. Il peut t'écouter aussi parler parce que quand un homme écoute une femme parler des projets, je vous assure que les hommes sont malades. Les hommes là peuvent même témoigner en commentaire. Quand ils sont assis avec une femme et qu'ils discutent, ils voient la mentalité de la femme, ils voient ses projets, ils voient son avenir. Ils disent que ça, c'est une femme. C'est une femme dont son avenir est tracé. Nous, les femmes, c'est pareil aussi. Quand tu écoutes un homme, tu sais que non, ça, c'est un homme qui a de l'avenir. Même ceux qui galèrent aujourd'hui, je vais être à ses côtés parce que vous voyez les femmes qui galèrent avec les hommes là, c'est parce qu'elles aiment trop les hommes. Non, je vous suis désolée, je vous dis ça. Vous allez voir une femme qui te dit qu'elle a galéré avec un homme. C'est pas parce qu'elle aimait trop l'homme, c'est parce qu'elle a vu en l'homme quelqu'un qui a de l'ambition. Quelqu'un qui a de la vision sur l'homme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Quand tu es avec un homme, toi, une femme, tu dois pouvoir savoir, tu dois pouvoir lire dans ses pensées, tu dois pouvoir lire dans ses projets. Est-ce que c'est un homme qui a de l'avenir? Est-ce que c'est un homme qui mérite que je souffre avec lui? Les femmes qui restent avec des hommes, là, c'est pas parce qu'ils sont, ils savent peut-être trop faire l'amour. Non. Une femme qui galère avec son homme, c'est parce qu'elle sait que ça, c'est un homme de l'avenir. C'est pour ça qu'elle reste là. Elle supporte la galère parce qu'elle sait que demain, ils vont manger la viande en or, ils vont manger vraiment des plats vraiment de très, très grandes marques, des plats vraiment très riches. C'est parce qu'ils voient ça, et toi, l'homme aussi, l'homme voit sans la femme, toi la femme, tu dois être pareil. Tu dois pouvoir avoir de l'ambition, tu dois pouvoir avoir des projets de vie bien précis, savoir ce que tu veux, c'est-à-dire en autre terme, avoir de la personnalité. C'est très important pour rendre son homme accro. Prochaine chose que vous, les femmes, vous devez faire pour rendre vos hommes accro, c'est pouvoir, comment on pourrait dire ça, c'est pouvoir éviter de faire de la routine. L'homme n'aime pas la routine. Pour rendre ton homme accro, tu dois sortir de la routine, éviter la routine. Tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, quand il dit la routine, ça veut dire que tu cèdes aux caprices de ton homme. Non. La femme ne doit pas subir les caprices de l'homme. Il ne doit pas tout le temps. L'homme veut manger le riz au d'arachide, d'accord? C'est son plat préféré, il n'y a pas de souci. Tu lui fais ça lundi, mardi, mercredi. Mais ne lui fais pas ça 7 du 7. Non. Ça ne va pas le rendre accro, ça ne va pas le rendre amoureux. Un homme, tu ne dois pas pouvoir servir tous ses caprices sur un plateau. Donc, ok, bébé, voici ça. C'est son plat préféré, d'accord. Tu peux dire que bon, 2-3 fois la semaine, tu lui fais ça. Mais ne lui fais pas ça 7 du 7. Ça ne va pas le rendre amoureux, ça ne va pas le rendre accro. Parce que chaque fois qu'il va manger ça, il va perdre le vrai goût de la nourriture. Hein. C'est comme quand tu vas au restaurant, que c'est la même chose. Tu vas dans ton restaurant, que tout le temps tu prends le même plat. À un moment donné, le plat ne te dit plus rien, on te sait. Tu manges juste parce que bon, il faut manger. Les saveurs là, dans les papilles là, tu n'arrives plus à les sentir. Tu ne les sens plus parce que tu as l'habitude de manger la même chose, sachant que c'est ton plat préféré. Mais les femmes doivent comprendre que pour rendre leurs hommes accro, ne faites pas tout ce qu'ils veulent. Ne leur préparez pas tout ce qu'ils veulent. Tous les caprices, ça ne cédez pas à tout ça. Non, ça ne rend pas les hommes amoureux. Un homme amoureux, d'accord, comme j'ai dit, tu le respectes, tu es soumise, d'accord, ok. Maintenant, ce qu'il veut manger là, toi-même, tu dois pouvoir tamponner dedans. Il aime manger le riz aux arachides, ne fais pas ça tout le temps. Fais ça 2-3 fois la semaine, c'est suffisant. Ça va faire en sorte que le jour, il ne mange pas ça. Les jours qui vont venir, il ne va pas manger ça là. La prochaine fois qu'il va remanger son plat là, il va manger en dégustant. Quand on mange, on doit déguster. Il doit pouvoir sentir les papilles de la nourriture. Oh, tu fais ça tout le temps, ce sera un plat lambda, ça ne va plus rien lui dire. Ça ne va plus rien lui dire. Il dit que bon,
Parce que moi, tout le temps, même quand demain il va sortir, son ami va me l'inviter quelque part, on va dire, bon, ben ma femme va vous parler le risque de rachis, tu vois, ça va rien lui dire. Parce que ça va en fait, à la maison, ce qui manque tout le temps, ça va enlever en fait le goût même de la nourriture. Donc, en termes de caprice, un homme pour le rendre accro, il faut éviter de servir ses caprices sur un plateau. Donc, non, pas du tout, ça ne rend pas un homme accro. Fais ce qu'il veut, oui, mais à une certaine fréquence, un peu espacée. Donc, tu vas voir espacée. Il aime peut-être, je sais pas, aller en boîte de nuit chaque mois ou bien tous les samedis. Toi, la femme, tu dois pouvoir espacer cela. Quand tu entres dans sa vie, tu vas pouvoir lui faire comprendre qu'aller en boîte de nuit, c'est bien, mais minimum une fois, maximum deux fois le mois, donc deux samedis sur quatre. C'est pas que tout le temps, il aime tout le temps, tu dois sortir avec lui, non. Ou juste, il veut sortir, ok, il sort, mais toi, tu restes à la maison. Tu dois pouvoir ne pas tout le temps, il veut sortir, tu dis oui, non. Ne rend pas un homme accro. Un homme accro, c'est un homme parfois qui se sent en défi, qui se sent en concurrence, c'est que bon, la femme, ce n'est pas tout à fait acquise. C'est ça qui rend les hommes accro. Il faut changer cette façon de faire là. Tout le temps, mon homme aime ceci, alors je fais ça, non, ça rend pas les hommes accro, je suis désolée. Prochaine chose pour rendre son homme accro, il faut soigner son physique. C'est ça les banal quand je dis ça comme ça, mais c'est très important. Un homme vient te voir, pour le rendre accro, il faudrait que, une fois que tu es douce, t'as dit, tu fais tout ce que tu veux, tu es une femme de caractère et tout là. Mais pour être une femme fatale, pour rendre son homme accro, il faut être une femme fatale. Pour être une femme fatale, il faut soigner ton physique. Un homme là, pour le rendre accro là, il faut que ton physique soit soigné. Tu peux avoir les taches, tu peux avoir les boutons, tu peux avoir les teintes, d'accord, ça c'est naturel, c'est la nature qui tu les aies. Bien que pour les enlever, tu as la solution. Toute la solution est dans mon libre. Vous avez le lien sur ma page, vous avez le lien sur tous mes réseaux, même épinglé en live là en haut là, vous avez le lien de libre. Comment prendre soin de sa peau, comment s'habiller, comment être une femme élégante et tout est détaillé dedans. Comment même parler en public sans avoir crainte, comment fixer les gens dans les yeux. Moi quand je parle à quelqu'un, je fixe la personne dans les yeux parce que la personne ne doit pas m'intimider. Je ne suis pas en train de l'intimider. Non plus, c'est juste parce que le respect voudrait que quand une personne te parle, tu la regardes quand elle te parle. Donc tu veux savoir tout ça, prendre soin de ta peau et tous ces détails là, tu as tout ça dans l'ebook qui est dédié à ça. Donc une femme en 2023 ne doit plus avoir les boutons sur les taches. Non, tu n'as pas besoin d'utiliser les produits cosmétiques ou bien les produits qui vont te donner les phares, les mamies après. Donc utilise les produits naturels et tout est détaillé dans l'ebook. Vous pouvez avoir le lien sur ma page Facebook, sur tous mes réseaux, vous avez ça. Donc allez choper l'ebook, comme j'ai dit, cette semaine il est au prix de 7,99€. À partir de lundi, il va passer à 10€. Donc, profitez du prix promotionnel actuellement. Partout que vous soyez, partout en Europe, au Canada, vous commandez. Ça arrive dans votre boîte mail instantanément avec le reçu. Donc, c'est instantané. Si vous êtes en Afrique, au Cameroun, je sais où, vous faites un Orange Money, ça ne coûte que 5000 francs cette semaine. Si la semaine prochaine, il va passer à 10 000 francs. Donc, une femme pour rendre son homme accro, c'est une femme, la femme doit pouvoir prendre soin d'elle. Et pour prendre soin de toi, ma chérie, tout le temps, ton homme vient te voir. Tu es tout le temps débraillé, tu es tout le temps juxta, tu es tout le temps genre négligé. Une femme ne doit pas se sentir négligée comme ça, non. Et bien, le problème, les femmes négligées sont les femmes même qui sont encore jeunes. Genre moins de 35 ans. Parce que moins de 35 ans, une femme, tu es jeune, ma chérie. 35 ans, tu es jeune. Une femme qui est jeune doit pouvoir prendre soin d'elle. Parce qu'une femme de 40 ans, qui a 3-4 maternités, on peut comprendre le délaissement. Mais une femme à 35, quand même, si tu as 2 maternités, tu as 3 maternités, ce n'est pas un justificatif. Tu vas tout te rendre coquette, tu vas tout te rendre belle. Tout le temps. Ton chéri va te voir, tu joues ça. Non, ma chérie. Apprends à pouvoir prendre soin de toi, mettre des habits qui te mettent en valeur, c'est important. Je n'ai pas dit les habits vulgaires. Il faut faire la différence entre habits vulgaires, habits sexy, habits coquettes, ou bien habits qui te mettent en valeur. Donc, tu es une femme, même si tu as des rondeurs, mets ces rondeurs en valeur. Ton homme ne doit pas venir te trouver tout dans les vieux cabas, les cabas qui sentent la fumée. Tu as préparé, d'accord, mais va changer le cabas. Le cabas, c'est seulement pour la cuisine. Dès que tu finis la cuisine, là, tu enlèves, tu ranges. Sauf si ce sont des cabas mignons comme les miens. Là, mon cabas, c'est pour accueillir mon chéri avec. C'est un cabas qui est élégant. Ce pas les cabas qu'on va à la cuisine avec. Non, ce sont les cabas de sortie, les cabas pour aller prendre un pot avec son bébé, pour sortir, pour les invitations au restaurant, dans les cabas de sortie, tu as ça au prix de 35€ uniquement. Un coûte pas cher, on l'expédie partout en Europe. Donc, une femme, tu dois pouvoir prendre soin de toi. Arrête d'être tout le temps négligée. Même si tu ne sais même pas parfois, si tu ne sais même pas te maquiller, non. Il y a des tutoriels sur YouTube. Maquille-toi petit. Les hommes vont me faire l'hypocrisie en commentaire en disant que non, on n'aime pas les femmes maquillées, non, ma chérie. Mais c'est ça qui, quand ils voient sur Facebook, ils likent eux. Les filles qui sont maquillées, mais maquillées jusqu'à on a filtré les photos dernier niveau, mais c'est le genre de photos là qu'ils aillent liker. C'est ça qu'ils vont liker. Les photos sont les filles naturelles, il n'y a pas de like, 2 likes, 3 likes. Mais les photos, les femmes sont maquillées, filtrées là. Tu vois, vous allez voir les 50 000 likes en bas. Donc ma chérie, arrête de te négliger, arrête de dire que non, le maquillage c'est pour les blancs. Non. Tu peux ne pas mettre même les fonds de teint sur toi. Tu peux même juste tracer tes sourires. Moi, ma peau est tellement propre, sans imperfection, que moi je n'ai pas besoin de fond de teint. Quand je fais mes lèvres, je n'ai jamais le fond de teint. Tout ce que je fais, c'est renforcer mes sourcils, c'est tout. Même sur mes lèvres, je ne mets rien, je ne mets que le beurre de karité. Vous savez déjà ça, nous sommes en hiver donc. J'hydrate mes lèvres avec le beurre de karité parce que ça rend les lèvres douces, ça fait en sorte que tes lèvres ne s'assèchent pas. Donc, une femme, tu dois pouvoir prendre soin de toi. Ton mari vient, même si tu étais dans la cuisine, même si tu étais chez toi débraillé, quand c'est qu'il arrive là, lève-toi, tu peux te laver, c'est important. Ton chéri doit toujours te trouver propre. Pas
qu'il arrive, tu sens la sueur depuis la matinée, il arrive à 17h, tu te trouves, tu ne t'es même pas encore lavé. Une femme à 17h. Ah! À 17h, tu sais que ton chéri arrive, tu ne t'es pas lavé. Tu fais quoi à la maison? Tu fais quoi à la maison? Ça ne rend pas les hommes accro. La saleté ne rend pas accro. Personne ne s'attache à la saleté. Je vais toujours le dire, une femme, c'est sa propreté. Propreté jusqu'à dans l'intimité. Le genre que quand elle est carte, c'est plus comme ça, c'est propre, c'est frais. Ça ne sent pas la rose, ça ne sent pas la menthe, mais ça sent la fraîcheur, ça sent la bonne odeur. Une femme, quand tu sais que ton chéri arrive, lève-toi, tu vas te laver, tu finis de te laver, là, tu viens, tu mets un petit parfum, tu mets une petite robe, là, tu mets pas forcément le jean. Chaque temps que tu as jean, tu sors, quand tu vas au travail, tu as un jean, tu rentres, tu as un jean, c'est quoi? Le jean de quoi? Prends une petite robe, tu mets une petite robe sexy, tu mets, tu te mets un peu en valeur. Tu es ton chéri, tu n'es pas avec une personne lambda. Je n'ai pas demandé que tu poses des robes sexy pour marcher avec dans la rue. Mais si tu mets tes robes sexy, tu es ton chéri, tant en cas, mais qui va te dire quoi? Qui verra quoi? Personne. Moi, je m'habille comme ça, mais si je suis mon chéri, nous sommes deux places, pas que je vais mettre le cabane. Non, pas forcément. Tu peux mettre une petite robe sexy, c'est que bon, vous êtes seulement vous deux, entre vous deux, et vous êtes au salon par exemple, là, vous faites soirée cinéma, vous avez des pop-corn, vous mangez et tout là. C'est ça qui rend les hommes accro, parce qu'ils te voient, ils savent que tu es belle. Ta beauté là, tu dois l'entretenir jusqu'à dans le mariage. Qu'est-ce que dit le mariage là? Le mariage, c'est pas comme si c'est une étape où il y a un pont qu'on traverse. Non, c'est juste le papier. Donc, tu dois pouvoir continuer à ça, même jusqu'à quand vous allez signer le papier là. Tu dois toujours te mettre bien. Ne te néglige pas parce que je suis une femme mariée, j'ai l'alliance, il m'a mis l'alliance et tout. Je fais ce que je veux. Non. Une femme mariée, prends soin d'elle. Tu te mets toujours coquette, tu te mets belle. C'est ça que les hommes aiment parce que ça les temporise, ça les rend amoureux de vous, ça les rend accro. Même les hommes, vous ne vous négligez pas. C'est pas parce que tu es mari ou même parce que tu as ta copine. Je dis que non, l'entretien c'est pour la femme, ça ne veut rien dire. L'entretien c'est pour les hommes et la femme. C'est pour vous, tout le monde. Il n'y a pas de. C'est sans distinction. Une femme, tu dois pouvoir prendre soin de toi. Ça, c'est une chose que tu dois faire pour rendre ton homme accro. Prendre soin de toi. C'est très important. Prochain point. Permettez-moi de boire de l'eau. Partagez, s'il vous plaît. Vous ne faites pas assez de partage. Partagez. C'est tout ce qu'on vous demande. J'espère que vous faites le maximum de partage. Je vérifie même depuis mon ordinateur. La vraie team, j'espère que vous faites le travail. Donc, on est comme ça. Voici 10 conseils aux femmes. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Donc j'étais en train de vous expliquer que une femme ça s'entretient, que tu sois mariée, que tu sois en couple, que tu sois je sais pas en concubinage, tu dois pouvoir entretenir ton corps, tu dois pouvoir entretenir ton physique. Et quand je dis l'entretien là, c'est même jusqu'au niveau de la peau, c'est pas au niveau des vêtements. Ne porte pas la robe sexy alors que ta peau est sale, ta peau est grasse. Et tu ne gommes jamais ta peau, les pores sont toujours fermés, tes peaux ne sont pas dilatées. Ta peau doit être dilatée, ma chérie, ta peau doit respirer. Tu ne sais pas comment faire un gommage, comment composer un gommage, comment même se gommer la peau. C'est dans l'e-book que j'ai conçu pour vous là. L'e-book là, comme j'ai dit, toutes les femmes doivent l'avoir. Toutes les femmes sans exception, tu dois voir cette e-book là, c'est l'e-book qui va changer ta vie. Même ta façon de te voir, ta façon de prendre soin de toi va changer. Tu vas te trouver tout le temps belle, tout le temps, tu seras une autre personne. Comme elle dit, c'est la métamorphose directe que tu seras. Tu seras une femme totalement métamorphosée. Chope-moi l'e-book là. Cette semaine, c'est un prix promotionnel de 7,99€, 5000 francs pour ceux qui sont en Afrique. Donc, toutes les femmes doivent avoir cette e-book là. Les hommes aussi, comme elle dit, l'e-book c'est pour tout le monde. Les femmes surtout, parce que moi je voudrais que les femmes changent. Je voudrais que les femmes se donnent plus de la valeur, que les femmes se sentent plus importantes, même dans la société. Les femmes sont trop marginalisées. Les femmes sont trop en mode, elles se délaissent trop, elles se négligent trop. Non, la femme doit impacter. Une femme, quand tu marches, on doit te donner le respect. On doit te voir comme ça, on te donne le café, on te donne le respect. Ça, c'est une femme. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour les femmes, c'est ça que je veux pour mes soeurs. Je vois que vous-même, pour les femmes qui sont même plus âgées que moi, les mamans, les tantes et tout, que tu aies 3 enfants, 4 enfants, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une raison de se négliger. Ce n'est pas une raison qu'on marche dans la rue, on ne donne pas le respect parce que tu es tout le temps en mode Ndjouksa comme une villageoise. Non, nous sommes en 2023, s'il vous plaît. Nous sommes pas à l'époque de 1900, non, nous sommes au 21e siècle, 2023, s'il vous plaît, changez. Prochaine chose qui va rendre ton homme accro, ma chérie, c'est quand tu vas le rendre un peu jaloux. Oui, il faut que je le dise. Un homme accro là, quand un homme est parfois accro là, c'est quand il est un peu jaloux. Oui, parfois il faut rendre son homme jaloux. C'est bizarre de le dire comme ça, non, mais c'est la vérité. Les hommes accro là, les femmes qui rendent leurs hommes accro, c'est parce que les femmes là leur rendent jaloux. Ce que dire rendre jaloux, c'est pas aller te mettre dans une autre relation, de coucher avec une autre personne ou d'être infidèle. Non, ça n'a rien à voir. Rendre ton homme jaloux, c'est parfois
tu es à la maison comme ça là, il veut peut-être que vous voyez, tu dis que non bébé, j'ai une sortie avec des amis. Dis-lui, c'est même c'est qu'après la maison, tu te couches, tu dors. Dis-lui que non, tu dois sortir avec un ami pour prendre un pot, c'est que tu te couches, tu dors. Rien que le fait qu'il t'imagine avec d'autres personnes, ça le rend malade. Ça le rend malade naturellement. Et les hommes, c'est ça qui les temporise. C'est ça qui fait en sorte que tu entres dans son esprit, tu le rends accro. Les hommes aiment les défis. Mais pas tout le temps, ton chéri t'écrit, tu fais quoi? Je suis à la maison et je regarde un film. Demain, tu fais quoi? Je suis à la maison et je visionne. Tout le temps, c'est la même chose. Il a l'impression que ton monde attend de tout le coup autour de lui. Non. Montre à l'homme qu'il est important dans ta vie, certes, mais montre-lui qu'il n'est pas le seul important. Je veux dire qu'il n'est pas la seule personne la plus importante dans ta vie. L'homme important dans ta vie, c'est peut-être qu'il occupe même la première place, d'accord. Mais sache que il n'est pas le seul, il n'est pas la seule personne non plus. Donc, tu dois pouvoir montrer à ton chéri que bébé, je t'aime, c'est, mais il y a d'autres personnes que j'aime aussi. Il y a mes frères, il y a mes soeurs, il y a mes amis. Tu es venu dans ma vie, c'est, tu es monté au top, d'accord. Il y a les autres personnes qui sont autour de moi. Ma vie, ce n'est pas toi seul, ma vie, c'est tout cet ensemble de personnes-là. Donc, montre à ton chéri que oui, tout le temps, rends un peu jaloux, fais un peu paniquer. Tu as ton chéri comme ça, tu ne fais même pas les tentations, fais-le paniquer, c'est ça qui va le rendre accro tout le temps. Il a l'impression que toute ta vie ne tourne autour de lui. Quand vous n'êtes pas ensemble, quand il t'écrit, c'est que tu ne fais jamais rien. Tu n'es jamais occupé. Tu es tout le temps là. Tu ne fais rien. Ah bébé, bon, je visionne une série. Bon bébé, je manipule mon téléphone. Bébé, je dors. Bébé, je suis en train de manger. Il n'y a rien d'intéressant que tu fais dans ta vie. Quand tu fais ça, ma chérie, il ne doute même pas qu'il va te perdre. Il n'a pas peur de te perdre. Parce qu'il sait que tu ne manges. Parce qu'il sait que tu y manges dans ta main. Et ce n'est pas bien. Un homme tout le temps, quand même toi la femme, quand tu es dans ta relation, toi tout le temps être en perpétuelle conquête, tu dois tout le temps faire en sorte que ton partenaire perde de te perdre. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme doit avoir peur de perdre sa femme, la femme doit avoir peur de perdre son mari, c'est ça. C'est ça en fait qui fait que, ça en fait qui brise non seulement la routine, parce que tout le monde, tout le temps, chaque partenaire, chaque personne a été chercher comment est-ce que je fais pour séduire davantage, comment je vais faire pour que mon mari m'aime plus, comment je vais faire pour que ma femme soit plus attirée par moi, comment je vais faire. Cette perpétuelle quête-là, c'est ça qui fait en sorte que le couple dure. Vous pensez que nos parents qui faisaient 50 ans, c'est parce qu'ils étaient souvent comme ça? Non. Parce que même la matière, elle tout le temps, qu'est-ce que je vais faire pour séduire mon mari? Qu'est-ce que je vais faire en sorte qu'il aime, qui va faire en sorte qu'il m'aime davantage? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout le temps, c'est la quête. Tout le temps, c'est la quête. Vous devez tout le temps être en perpétuelle quête. Même que vous soyez en relation à distance, que vous vivez dans la même maison, tout le temps, ça doit être la quête dans la tête de l'homme, la quête dans la tête de la femme. Et pour que la femme, toi, tu aimes plus instaurer la quête dans la tête de l'homme, il faudrait que l'homme puisse comprendre qu'il est important dans ta vie, certes, mais il n'est pas le seul. Tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des tantes à qui tu peux aller rendre visite. Même si ton chéri t'écrit, tu fais quoi? Bébé, je m'en vais rendre visite à ma tante. Bébé, je suis en train de travailler sur un projet. Bébé, je suis occupé, je suis en train de faire des trucs qui sont importants. Déjà, qui se sentent un peu en difficulté, c'est ça. Mettez un peu vos hommes en difficulté, qui sentent qu'il y a des personnes à côté de vous, qui sentent parfois qu'ils peuvent vous perdre. Et si toi, la femme, tu as un homme à côté de... Tu as ton chéri, celui-là qui est un peu plus en mode autorité, en mode orgueil, en mode c'est lui, l'homme, tout le temps, c'est lui qui est sur le téléphone. Vous êtes ensemble, l'homme est sur son téléphone tout le temps. Tu es là, tu t'ennuies parce que ton homme, il est là, mais tout le temps, tu t'ennuies alors que ton chéri est là. Il est tout le temps sur son téléphone et tout. Ma chérie, rends-le jaloux. Rends-le jaloux, ça veut dire que quoi? Quand tu sais que tu vas voir ton chéri, tu demandes à ta copine, ma copine appelle, monte à nos commentaires. Ta copine t'appelle, vous riez aux éclairs, il est sur son téléphone, il manipule, mais il remarque un temps là, tu maries, tu ne le calcules pas trop. Tu as aussi ta vie, non? Donc tu vis ta vie normalement, tu appelles ta copine, vous riez. L'homme va te dire, mais ma chérie, tu es même de quoi? Tu vas dire que bébé, je suis en train de rire des trucs avec mes copines et tout, on rit ce qui se passe sur internet et tout. Fais-toi désirer, rends-le jaloux. Par exemple, c'est qui va avoir été demandé? Parce que même, c'est l'homme d'abord un orgueil démesuré. C'est qui fait en sorte qu'à l'instant, il ne va même pas te demander. C'est qu'il va voir que tu continues à rire beaucoup, beaucoup, qu'il va finir par te demander. Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça, chérie? Ah, tu dis, ah, bébé, non, mais c'est rien, c'est juste. Excuse avec ma soeur là, c'est elle qui me fatigue. Dis-lui ça. Même si c'est un coucou, tu as pour être ta soeur, rends-le jaloux. Rends-le un peu jaloux, fais un peu vibrer son cœur. Il a tout le temps son téléphone, toi tu l'as, tu t'ennuies. Avant lui, tu n'avais pas des gens dans ta vie. Avant lui, tu n'as pas tes soeurs, tu n'avais pas d'amis, tu n'avais personne. Tu es tombé du ciel seul. Non. Non. Faire dire un jaloux, comme il dit, ce n'est pas aller coucher avec un homme, ce n'est pas être infidèle, ce n'est pas sortir avec un homme. Non. C'est faire des trucs que l'homme se sente aussi en danger. Comme parce que quand il discute avec les femmes, avec d'autres personnes au téléphone pendant que tu es là, c'est toi qui te sens en danger. L'homme doit se sentir aussi en danger. C'est pas seulement la femme de se sentir en danger. C'est pas seulement la femme de faire des efforts. L'homme doit faire des efforts également. Et pour qu'il fasse des efforts, il faut qu'il sente le danger. Il faut qu'il sente que si je fais un jeu, il peut même perdre ma go ici. Il peut blaguer comme ça. La mago là me quitte ici du jour au lendemain. Et c'est une femme de valeur. Quand un homme sait qu'il a à ses côtés une femme de valeur, il a peur de la perdre. Il fait tout. Même quand il veut faire des bêtises, il fait un peu de bêtises, mais il revient sur le droit chemin aussitôt. Parce qu'il sait que dès qu'il fait seulement caca, toi tu es capable de faire caca. La relation s'arrête là. Il sait que c'est lui qui a beaucoup à perdre. Donc c'est ça que je lui ai imposé à ton homme. Ton homme doit comprendre ça.
quand tu vas faire ça, Tom, tu vas remarquer qu'il va arrêter de faire certaines foutaises. Quand vous allez vous voir, il va maintenant être avec toi. Quand toi, tu sais, quand Tom, tu vas vouloir seulement prendre ton téléphone, il va dire que bébé, laisse ton téléphone, je suis avec toi, tu prends ton téléphone comme moi et tout. C'est lui qui va vouloir te dire de laisser le tien quand il aura laissé sa part déjà. Ça va faire en sorte que vous allez voir que ça va changer. Ça va un peu briser la routine que l'homme laisse son téléphone, il te calcule pas. Toi, tu l'as sous là, tu t'ennuies, tu te sens bizarre, tu te sens inutile. Non, ma chérie, tu ne peux pas te sentir inutile avec ton chéri. De toute façon, il fait genre, il ne calcule pas, ma chérie, ne le calcule pas, fais la même chose, mais fais des plans avec ta soeur. Moi, je fais ça, j'appelle ma soeur, comme mon bébé vient, il va encore, dès qu'il laisse son téléphone, la maman, appelle-moi, on rit seulement de tout, raconte-moi les blagues, les faux trucs, on rit seulement comme ça. Ça fait en sorte que mon bébé, tu ris de quoi? Je dis, ah bon, je ris avec mes soeurs, il faudrait me raconter des trucs, me raconter leurs histoires, je ris et tout. L'homme se sent en danger quand tu fais ça. Ça fait en sorte qu'il sait que bon, qu'il soit là, que tu n'es pas là, tu as une vie, tu es heureuse. Donc, là, je vous ai dit que soignez votre nom, en fait, comment on dit là, il faut soigner, comment on dirait ça en français, il faut pouvoir avoir une bonne notoriété, ou bien il faut soigner en fait ton image, ta personnalité dans ton entourage. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des avis positifs autour de toi en ce qui te concerne. Donc c'est très important, ton image doit être soignée dans ta communauté, dans ton entourage. L'homme même sait que non, ça c'est une femme qui est appréciée par tout le monde. Lui sait que quand elle est au téléphone, elle dit là, c'est parce qu'il sait que c'est une femme qui est appréciée par tout le monde. Là, elle ne s'inquiète pas, c'est ce que toi tu dois faire en tant que femme. Donc c'est très important, il faut le faire ma chérie. Tout le temps, l'homme veut te rendre jaloux. Tout le temps, c'est lui qui soit avec les copines. Tout le temps, j'étais avec une collègue là. Demain, je suis avec un ami là. Je suis avec une amie. Tout le temps, toi, tu es à la maison, tu écoutes seulement. Un jour aussi, dis-lui que je sors, même si tu es chez toi. Dis-lui que je sors, on m'a invité à manger un poulet. Même si tu restes à la maison, lui, là, on ne peut pas commencer à réfléchir. Mais c'est qui l'a invité? C'est même qui aujourd'hui, là, me calcule pas un soir. Quand tu vas faire ça, tu crois que tu as l'impression que non, tu es en train de mal faire ou bien que l'on va te quitter pour ça? Non, ma chérie, ça produit l'effet inverse. Vous connaissez les hommes, ce sont des malots. Ils aiment les défis. L'homme, c'est quand il voit qu'il veut te perdre, qu'il se ressaisit. Quand il voit que tout le temps tu es dans son sang, il voit que non, il ne court aucun risque là. Il fait des bêtises, il se permet de faire n'importe quoi. Mais dès qu'il comprend qu'à l'heure, là, non, c'est toi qui mène le jeu là, psychologiquement, il se redresse. Toi, de base, tu es droit. Parce que de base, toi, tu n'es pas infidèle, tu n'es pas impoli, tu es respectueux. Mais c'est lui qui veut faire foutaise sur toi, ma chérie. Il faut lui montrer que tu es une femme. Tu es la femme, ça se respecte. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand tu vas imposer ce respect là, l'homme, il sera amoureux de toi. Il sait que tu n'es pas une femme facile, tu n'es pas une femme qui va trouver dans la rue comme ça. Non, il sait que les femmes comme toi là, ne courent pas les rues, sont des femmes rares. Elles sont comme des pierres précieuses, elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont des femmes fatales, elles sont des femmes respectueuses parce qu'elle est fatale. Elle est respectueuse, elle est douce, elle est soumise, elle est propre, elle sait s'entretenir, elle est belle, elle est intelligente, elle a de la matière grise dans son cerveau. Voilà des projets pour son avenir bien tracé. Une femme comme ça, toi tu vas venir lui perdre le temps, ou bien tu vas vouloir mettre foutaise sur sa tête, ma chérie. Il veut mettre foutaise sur sa tête, non, montre-lui que tu es né avant la foutaise. Qu'avant la honte, là, toi tu étais déjà né. Quand on a créé la honte, là, toi tu étais né. Qu'il va, comme on dit souvent, on n'apprend pas un singe à faire les grimaces, non. Il va tout le monde que il ne peut pas t'apprendre à faire les grimaces. La femme, même le diable, parfois quand elle fait les choses, le diable s'assoit, il prend un autre. C'est pas l'homme qui ne doit pas avoir peur. L'homme doit tout le temps avoir peur de te perdre. Et trop me dire, ça passe par ces petits éléments là. Un homme qui te montre tout le temps que c'est toi qui peux le perdre, il faut le rendre jaloux. Un peu, quelques fois là, il faut un peu faire ça. Il fait un peu ça deux, trois fois. Tu dis que bon, attends aussi. Tu appelles ta pote. En fait, rends-le un peu jaloux, ma chérie. Ça va le rendre amoureux, je te garantis. Il va bouder. Non, mais sache qu'au contraire, il t'aime davantage. Donc la dose d'amour là, non, tu es en train d'augmenter. Parce que tu as les caractères d'une femme, d'une bonne femme africaine, d'une femme qu'on épouse. C'est-à-dire, tu es soumise, tu es douce, tu es respectueuse, tu as tout. Tu n'es pas infidèle. Personne d'autre ne montre sur toi, personne d'autre ne voit ta nudité. Tout le monde, tout ton corps est bien caché. Comment est-ce qu'il va même penser à te quitter comment? Il va penser plutôt à se ranger, qu'il va voir toutes tes qualités là, que j'ai citées plus haut là. Il va voir que non, mais la fille, si veut me ranger, lui va voir tout ça. Il va dire, bon, est-ce que je vais prendre le risque de perdre tout ça là, juste parce que je vais discuter au téléphone avec une autre petite tise à côté là. Il va dire qu'il va banquer la tise, il va dire que bon, la autre côté là, je la mets de côté. Je me concentre sur ça parce qu'il y a beaucoup plus de qualités. Il a beaucoup plus à gagner ici que à gagner juste à cause d'un SMS ou à cause de son téléphone. Il va déposer son téléphone de côté. Le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, ça se rachète. Donc ma chérie, voilà les trucs que tu dois faire, surtout si tu veux rendre ton homme accro. C'est très important. Évite des trucs tout le temps dans son sang. L'homme n'aime pas l'omniprésence. L'homme n'aime pas quand tout le temps, tu es tout le temps dans son sang. Toutes les 5 minutes, tu l'appelles. Voilà ce que j'ai encore vu une histoire qu'une personne m'a racontée là, toujours dans les messages sur Messenger. Bientôt, je pense qu'il y a toutes les filles qui sont... je pense que je vais mettre ça sur pied. Peut-être dans le live, je vais l'annoncer officiellement. Il y a un groupe, pour toutes celles qui sont intéressées, il y a un groupe Telegram. Vous connaissez l'application Telegram pour toutes les femmes. Parce que, comme j'ai dit, moi, ma page, je me concentre, je ne néglige pas les hommes, mais je veux plus que les femmes changent. Donc, je me concentre beaucoup sur les femmes pour qu'elles puissent comprendre beaucoup de choses. Donc, les femmes qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des problèmes de motivation, qui ont des problèmes de personnalité, qui ont des problèmes dans leur couple, qui ont des problèmes, qui veulent se retrouver entre femmes pour discuter. Vous avez un forum que je vais créer. Demain, je vais partager le lien sur ma page. Un forum où on va se retrouver en tant que femme.
il y aura uniquement les femmes. Je ne veux pas les hommes dedans, s'il vous plaît. Les hommes qui allaient prendre les photos des femmes pour mettre sur vos photos au profil. Non, le groupe Telegram, c'est axé uniquement aux femmes. Donc les femmes, là, on va se retrouver dans le groupe Telegram. Vous pouvez poser même vos problèmes. D'autres femmes vont pouvoir vous aider. Ça va faire en sorte que on sera comme une famille. Donc chacun vient. Et comme on dit, moi, on ne juge pas. Moi, je ne juge personne. Donc personne ne va te juger. Tu viens dire que non, je ne sais pas m'habiller. Je suis une femme qui a peut-être telle rondeur. Je n'arrive pas à m'habiller. Ou bien, voilà ce que je traverse dans mon couple. Tu viens raconter ton problème de couple. Personne ne va te juger pour ça, ma chérie. Au contraire, les conseils des uns et des unes et des autres, parce que nous sommes entre femmes, vont pouvoir t'aider. Vont pouvoir t'aider à résoudre ton problème ou à regagner confiance en toi. Bref, peu importe la difficulté par laquelle tu traverses. Même si tu as perdu un proche de ta famille, que tu veux partager, tu veux extérioriser la douleur, le forum est là pour ça, ça va nous aider. Demain, je vais partager le lien sur ma page Facebook, parce que l'idée m'est venue, parce que je me suis rendu compte à travers les différents messages que je reçois sur Messenger, partout, les femmes qui me posent leurs problèmes, j'ai senti que la femme, il y a des femmes vraiment qui ont besoin de parler, qui ont vraiment besoin d'aide. Et l'aide, comment on dit là, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent le sexe, comment faire l'amour, position du kamasutra, non, la femme n'a plus besoin de ça. Une femme qui est respectée dans la société, ce n'est pas le sexe qui fait qu'une femme est respectée. De nos jours, les femmes ont les vrais problèmes. Mais vous écoutez sur le net, on parle souvent de sexe, de position sexuelle, de comment faire ceci, de comment faire cela, comment faire ceci, comment... Tout ça, c'est lié au sexe. Pourtant, la femme a besoin de bien plus de choses que ça. La femme a besoin de savoir des choses sur elle-même, mais pas liées au sexe. Évitez, arrêtons seulement sur les réseaux de parler de sexe et tout. Voilà les choses qui vont vous aider, vous les femmes. Le forum est là pour ça. Demain, je partage le lien. Rejoignez ça maximum. C'est un forum totalement gratuit. Donc, ce n'est pas un truc payant. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est gratuit. L'accès est gratuit à toutes les femmes. Peu importe où tu es. Afrique, Amérique, États-Unis, Europe, Asie, partout. C'est accès libre à toutes les femmes qui veulent se retrouver entre elles, qui veulent pouvoir échanger, que ce soit sur leurs problèmes ou sur leur réalité. Ou même partager une joie ou bien une information ou une offre même d'emploi. Bref, comme je dis ça entre femmes. Tout ça, ce sera dans le forum que ça va se passer. Donc, c'était juste une parenthèse. Je vais revenir sur ça demain pendant le live. En journée, je vais quand même partager le lien du forum. Donc, une femme qui veut temporiser son mari doit éviter d'être une femme trop accessible, trop dans le sang de l'homme, trop tout le temps présent. Et comme je disais, quand je parlais du forum, c'était pour revenir à l'histoire qu'une abonnée m'a envoyée sur Messenger. Elle disait tout le temps... qu'elle a les problèmes avec son chéri. Je lui demande, c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes en froid? Vous êtes en boucle? Pourquoi elle dit que... Parce que son chéri, ils avaient l'habitude de s'appeler tous les une heure, deux heures, ils s'appellent. Son chéri ne l'a pas appelé après une heure de temps. Quand son chéri l'a rappelé, c'était après 5 heures de temps, elle s'est fâchée, elle a boudé. Mais vous appelez une heure de temps d'abord, ma chérie. Vous vous dites quoi un peu? J'ai attendu. Les gens qui s'appellent tous les signes, tous les deux, vous vous dites quoi? Vous vous dites quoi? L'omniprésence là, c'est pourquoi? Ça ne rend pas un homme amoureux, ça ne rend pas ton homme accro. C'est pour ça que depuis que vous êtes en froid, il ne peut même pas faire le pas parce que. Il n'est pas amoureux, il n'est pas accro. Un homme qui est accro, il ne peut pas se passer de sa femme. Là, le sang, il ne peut pas se passer de sa partenaire. Dès qu'ils ont un petit problème, là, il va ranger. Parce qu'il est accro à sa femme. Et toi, la femme, tu dois rendre ton homme pareil. Mais tout le temps, la fille me dit qu'il s'appelle fréquemment. Elle dit que non, parce qu'ils sont en relation à distance. J'ai dit que même si vous êtes en relation à distance, maman, tous les une, tu ne travailles pas. Elle dit que je suis étudiée fréquemment. Mais tu es fréquent, tu as le temps d'être au téléphone tous les une avec un homme. Mais je suis dépassée. I am choquée. Toi, une femme, même si c'est que tu fréquentes, tu travailles, tu dois, même si vous êtes en relation à distance. Je ne sais pas que tout le temps vous devez être au téléphone, tous les une. Non, ça ne rend pas un homme accro. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut changer ça tout le temps. Ça fait en sorte que même quand vous voyez, vous êtes au téléphone. Quand vous voyez, vous allez parler de quoi? Vous allez seulement vous dire, bébé, ça va? Oui, ça va. Tu m'as manqué? Oui, ça s'arrête là. Parce qu'on n'aurait plus de sujet. Ce sera l'ennui total entre vous. Parce que vous dites tout au téléphone. Vous parlez trop. Vous êtes trop dans le sang de l'autre, l'homme de l'autre. Non. Tout le temps, tous les une. Bébé, ça va? Ta journée se passe bien? À 8h, à 9h, à 10h, à 12h, à 14h. C'est quoi ça? Tu vois, vous dites quoi? Ça ne rend pas un homme amoureux, ma chérie. Ça ne rend pas un homme accro. Même un homme qui fait ça, sache que ta femme n'est pas accro à toi. Vous entrez plutôt dans une certaine dépendance. La dépendance affective n'est pas bien en tant qu'homme ou en tant que femme dans une relation. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Et c'est une maladie, ça se soigne même chez les psychologues. La dépendance affective n'est pas bien. Parce que quand vous appelez tous les 1 heure, tous les 30 minutes, vous n'êtes pas en train de renforcer des liens. Non, au contraire, vous êtes en train d'entrer dans la dépendance affective qui est une maladie qui se soigne. Il ne faut pas entrer dans la dépendance affective. Donc, tous les 1 heure, ton chien ne t'appelle pas, ça fait 1 heure. Tu tombes déjà malade. Tu te pleures, vous vous boudez une semaine. Vous boudez pour l'appel. L'appel qui t'a appelé 1 heure. Le couple, c'est la maturité. Hein. Le couple, les relations, ce n'est pas le voir bébé. Hein. C'est pas le voir bébé, comme j'ai dit, c'est la maturité. Après de 25 ans, tu boudes ton chéri parce qu'il t'a pas appelé, ça fait une heure. Hey, alors quand il t'a appelé en journée, c'est pas comme s'il a fait 3 jours, il t'a pas appelé. Pourquoi il te fâche? Vous êtes écouté quelques heures avant, il t'a pas appelé après. Tu fais de ça un problème? Mais attends, ça veut dire que toi-même, tu as un réel problème de dépendance affective. Ça veut dire que toi-même, tu es malade, ma chérie. Tu es malade.
Tu peux abouder ton jeu parce qu'il t'a pas appelé. Il t'a pas appelé comme à une heure précise comme prévu. Il n'y a pas de souci. Il t'appelle, tu restes. Comme il a dit, tu peux être indisponible, mais tu es accessible. Il t'appelle, tu restes poli au téléphone. Allô? Allô bébé, ça va? Ta journée était oui. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais et tout? Comment se passe ta journée? Tu restes poli, tu restes agréable. Ça fait en sorte que l'homme a envie de t'appeler. Mais quand tu fais le genre qu'il t'appelle, ah, tu étais avec qui? Il t'appelle, c'est maintenant que tu m'appelles. Tu faisais quoi? Tu lui as dit que tu devais m'appeler. Tu commences à faire tout un procès au téléphone. Ça fait en sorte que la prochaine fois même, il ne va même pas vouloir te rappeler. Il va pouvoir laisser te rappeler même le lendemain. Et si c'est celle qui n'est pas prêt à écouter ce que tu vas dire au téléphone, il te rappelle même 2 jours après. Il dit que je vais me rappeler la fille si elle me saoule au téléphone. Ah, quand je l'appelle dans 2 jours, je l'appelle même demain. Alors que si c'est qu'il est, tu es une personne qui est très polie au téléphone, qui est très accessible. Quand il t'appelle, même si c'est à 23h, il va écouter ta voix. Il va écouter ta voix. Il va même s'excuser naturellement. Quand un homme sait qu'il est tort et qu'il sait qu'il est une femme douce, il s'excuse naturellement. Un homme qui est tamponné, un homme qui est accro à sa femme, il n'y a pas d'orgueil. Comme il dit, l'amour et l'orgueil, ça ne rime pas ensemble. Tu peux pas me dire que tu es une femme, tu es orgueilleuse. Non, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas assez. Tu n'es pas amoureux d'elle. Tu n'es pas accro à elle. Quand on aime une personne profondément comme Dieu nous a aimés, il n'y a pas l'orgueil. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tu ne vois pas de problème à t'excuser quand tu as tort. Quand tu as des difficultés à t'excuser devant ton partenaire, ça veut dire que tu es une personne orgueilleuse, ça veut dire que tu n'aimes pas assez la personne, surtout quand tu sais que tu as tort. Comme elle dit hier, pour être une personne fatale, on ne s'excuse pas pour rien. Tu sais que ton mari a tort, tu attends qu'il s'excuse au calme. Il n'y a pas à t'excuser à chaque fois qu'il a tort, qu'il va faire de toi une femme fatale ou un qui va le rendre accro. Non, ton mari a commis une bêtise, à lui de s'excuser. Tu restes dans ton coin jusqu'à ce qu'il s'excuse. Il ne s'excuse pas toi-même, tu ne t'excuses de rien parce que tu n'as rien fait, ma chérie. Tu n'as rien fait. Il n'y a pas à s'excuser, même quand on a tort ou qu'on a raison. Non, ça ne rend pas les hommes accro. Ça ne fait pas de vous des femmes fatales. Non. Non, ça rend même de vous les femmes faciles, les femmes accessibles. Que bon, il fait n'importe quoi. Ah, ma femme, c'est elle qui va finir par s'excuser. S'il suffit de dire que moi, je passe en YouTube, là, un, deux, je vais venir s'excuser à ma place, sachant que c'est lui qui a gaffé. Il veut même pas ta YouTube. Et même pas ta YouTube, là, tu n'as pas les enfants. Toi-même, tu n'as pas le ventre. Vous mangez, non. Il même pas ta YouTube, quoi faire? Alors qu'il a tort. Demain, par exemple, ton mari va te tromper. C'est toi qui. Donc, ah, c'est bien, je dis que ce soit les femmes. Les femmes ont vraiment des problèmes. Il faut vraiment qu'on vous sensibilise. Ton mari va te tromper. Mais c'est toi-même qui t'excuse parce qu'il allait te tromper. Ma chérie, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne connais pas ta valeur. Un homme qui va te tromper, ça lui de s'excuser pour ce qu'il a fait. C'est lui, il a fait une bêtise, ça lui de s'excuser. Tu dis que non, il allait me tromper quand j'ai découvert. Après, il me boude dans la maison, il ne mange plus de ma nourriture. Il mange plus ta nourriture et puis quoi. C'est toi qui dis que tu vas t'excuser parce qu'il a fait une bêtise pareille. Mais attendons. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est pas parce que le fait que tu vas t'excuser que non, il va t'aimer davantage ou bien il ne va plus faire la même bêtise. Tu es en train de l'encourager plutôt aller faire la même bêtise. Peu importe la bêtise qu'il fait. Il fait les bêtises et tu t'excuses, tu l'encourages parce qu'il sait que demain tu vas tout t'excuser. Il ne sera pas amoureux de toi, il ne sera pas accro à toi. Il va plutôt aller, il aura tendance à aller plutôt dehors. Dehors ou quand il fait les bêtises là, c'est lui qui s'excuse. Parce qu'il sait que là-bas, s'il ne s'excuse pas, ça va rester comme ça. Un homme quand il est amoureux, il n'est pas orgueilleux. Un homme qui est amoureux, il n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire, quand tu n'es pas orgueilleux, ça veut dire que tu ne veux pas en fait passer une nuit ou bien dormir fâché avec ta go ou bien ta femme. Non. Quand on aime, il n'y a pas d'orgueil. Il y a des gens qui vont me dire que non, tu peux aimer une femme et tu es orgueilleux. Non. En amour, il n'y a pas d'orgueil. En amour, il n'y a pas de mal à s'excuser. Il n'y a pas de mal à reconnaître son tort. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, voilà les choses que vous, les femmes, vous devez faire pour rendre vos hommes accro. Ne vous contentez pas que non, le gars s'est attaché à moi. Non, l'attachement ne suffit pas. Être amoureux même ne suffit. Il faut que le gars soit malade. Il faut que tu sois imprégné dans son cerveau. C'est ça qu'il faut. Et ça, c'est naturel. Tu n'as pas besoin d'aller chez le marabout ou bien de l'embouter. Non. Ça se fait naturellement. Parce que tout ce que je viens de citer là, je suis d'abord douce. Non seulement tu es douce, tu es soumise, tu es respectueuse, tu es indisponible, mais tu es accessible. Tu prends soin de toi, tu es très belle, tu es inscrite, tu as des projets pour l'avenir. Tu t'intéresses à sa vie, tu t'intéresses à ses projets. Tu es là dans sa vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es présente, tu es belle, tu es sexy. Il va faire comment pour partir? Il va faire comment pour ne même pas t'aimer? Donc il sera malade de toi. Parce que les femmes qui font ça de nos jours sont rares. Donc quand un homme trouve une femme qui a cette qualité-là, le gars est malade d'elle. Vous allez voir une femme comme ça, là, son mari... Tout le temps, il est avec sa femme, il veut passer du temps avec sa femme, ses collègues. Mais ta femme, elle est tellement embassée, elle est tellement envoûtée. Non, sa femme ne l'a pas envoûtée. Parce que sa femme a su ce qu'il faut qu'une femme fasse pour son époux. Et tout ça, comme vous l'avez vu, c'est dans le respect. Elle ne manque pas de respect. Elle n'est pas infidèle. Elle n'est pas insoumise. Elle n'est pas mal polie. Elle n'est pas, je m'en fous, elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas orgueilleuse. Tout ça. Elle a toutes les qualités que les hommes recherchent. Il va partir. Il sera malade de sa femme. Les gens vont voir la femme dans la suite, mais la femme, si elle a seulement donné quoi à son mari, vous ne pouvez pas savoir. Ou même les femmes qui vont dire que non, mon chéri, il ne me donne jamais rien, pourtant il y a les moyens. C'est parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas ce qu'il faut. Un homme qui est accro, peu importe ce que tu vas demander, il va te donner. Il va te donner. Parce qu'il voit ce qu'il a à côté, là, il va tout te donner, ma chérie. Allez voir un homme comme ça, là, cadeau d'anniversaire qu'il offre à sa copine, même pas encore mariée, c'est une voiture.
pas parce qu'il forcément il roule sur de l'or, mais c'est parce qu'il connaît la place que sa femme occupe dans sa vie, que sa copine occupe dans sa vie. Il a dit que non, la femme s'est agacée, a envoûté le mari pour qu'on lui offre la voiture. Non, non. Non, pas du tout. Quand il voit un homme qui a offert la voiture à sa femme, je comprends en fait. Je donne le cafard à sa femme, je donne le cafard à la femme qui est à côté de lui. Je confirme qu'il est une femme de valeur. Parce qu'un homme qui investit, c'est-à-dire qui peut acheter, qui retire son argent pour aller dépenser des millions pour acheter une voiture à sa femme, c'est parce qu'il sait que sa femme, c'est de l'or, c'est le diamant. C'est vraiment comme on dit, c'est tout, c'est son tout là-bas. C'est ça que les femmes doivent être pour leur mari, leur tout. Tu vas pouvoir mettre, tu vas pouvoir faire en sorte que ton mari sache que tu as de la valeur, qu'il te respecte et qu'il soit amoureux de toi, qu'il soit accro à toi. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce live ici. Donc, mes chéris, s'il vous plaît, revoyez ces éléments-là. Rendez vos hommes accro. Ne vous contentez pas que non, le gars, si même où il est attaché à moi, non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas plus important. C'est qui fait en sorte que les mariages durent là, c'est parce que les hommes sont accro à leur femme. Ils sont malades. Et ce, naturellement, pas les petites choses. Ça passe par ces petits éléments-là. Vous voyez qu'il ne faut pas être peut-être riche ou bien avoir des grosses fesses pour que l'homme soit amoureux. Non, l'homme n'est pas amoureux des fesses. Il peut aimer les fesses parce qu'il est attiré sexuellement, c'est sa nature. Mais c'est pas parce que tu as une grosse fesse ou parce que tu es belle comme tu as les formes de Kim Kardashian qui sera amoureux de toi. Non. Il y a beaucoup d'éléments. Les éléments que j'ai cités là, mets-les en pratique. Toi-même, tu vas venir me remercier après. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Je vais maintenant lire s'il y a 2-3 commentaires sur lesquels je peux répondre. Je vais répondre et puis on va se séparer. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont des avis. Sur le sujet, posez vos avis en commentaire. S'il y a des personnes qui veulent même intervenir en live, vous envoyez la demande et voilà. Donc. Coucou, j'offre la voyance, machin. Les commentaires sur les voyances, là, merci. Non, je n'en veux pas. On n'est pas dans le maraboutage ici, on n'est pas dans les trucs spirituels. Hein. Ma page n'est pas dédiée à ça, on ne parle pas de spiritualité. Comment tu parles pour les femmes musulmanes. Tu as raison. Vous avez les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis, les questions. Tu vas répondre à 2-3 questions et puis on va se séparer. Ou bien des interventions. Donc, comme je disais, vous avez aussi cette magnifique robe qui est disponible au prix de 35 euros. Toutes les femmes qui sont intéressées, les femmes là, s'il vous plaît, mettez-vous en valeur. Ce n'est pas le jean qui met la femme en valeur, non. Le jean ne te met pas en valeur. Une femme, pour temporiser ton monde, pour le rendre accro, tu dois pouvoir t'habiller dans de pareils vêtements. C'est ça là, comme l'homme voit, c'est ce que non, j'ai une femme africaine à mes côtés. Ça, c'est la femme qu'il me faut. Et ça, c'est disponible uniquement au prix de 35 euros. Vous avez différents modèles que j'ai présentés au début du live. Donc, 35 euros, vous avez de magnifiques cabas comme ça. Je vous montre encore une fois de plus de temps debout. Donc, voilà ça. Disponible au prix de 35 euros. Donc, voilà. Toutes les personnes intéressées, vous m'envoyez un message sur Messenger et puis je vais vous répondre. Vous avez aussi l'ebook qui est disponible, vous avez le lien sur ma page, vous avez le lien un peu de partout. Je vais vous mettre le lien de l'ebook aussi ici afin que vous puissiez aller commander le vôtre directement. Toutes celles qui ont les problèmes de confiance en soi, tous ceux et celles qui ont les problèmes de peau, qui ont les problèmes de boutons, qui ont les problèmes sur le visage, sur la peau, les peaux difficiles, qui ont des taches, hommes comme femmes. Donc vous pouvez choper l'e-book qui est disponible sur le lien que je viens d'épingler là. Donc vous avez l'e-book de l'année, allez le choper dès maintenant. Raïssa, tu veux parler? Ok, on a une invitation, on prend 2-3 invitations, après on va se séparer. Raïssa, tu as envoyé la demande, je suppose que tu peux parler.
S'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous pouvez envoyer les demandes. Aïcha, j'essaie de l'ajouter là, mais ça ne prend pas apparemment, je ne sais pas pourquoi. J'envoie la demande. Mohamed, j'étais pris là, mais ta connexion, je ne sais pas pourquoi ça bug, c'est la connexion. Pourquoi tu n'arrives pas à te connecter? Pourtant, j'ai accepté ta demande là. Ça met à jouer en cours. Il y a tes tours et tours. Mon numéro pour en faire quoi? Tu veux mon numéro pour faire quoi? Donc, toutes les filles qui sont sur le live, si demain nous aurons notre forum qui sera ouvert, où vous pourriez vous confier plus facilement et poser toutes vos questions, vos problèmes, vos préoccupations à tous les différents niveaux de la vie. Mohamed, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Tu n'arrives pas à te connecter apparemment, je ne sais pas pourquoi. J'ai des questions, il y a des tourées, pose tes questions. Posez vos questions en commentaire, je pourrai répondre dans les 6 minutes qui nous restent pour le live. Tu as tout dit, moi-même j'ai honte, vraiment tu connais affaire là. Merci Fred et Bill, merci. Les femmes là, s'il vous plaît, vous voyez-vous à ces différents niveaux là. Les hommes n'aiment pas, ils aiment quand c'est sucré, mais en même temps quand ça met aussi. Vous savez que l'excès de tout nuit. Dans ta relation, j'ai trop sucré, il chope le diabète, donc c'est nocif. C'est trop amer, ce n'est non plus bien. Il faut trouver le juste milieu. Donc, un peu de sucre, un peu de sel, un peu de goût amer. Donc, il faut pouvoir jongler entre ces goûts-là. Dans ta relation, tu es trop sucré, tu donnes le diabète. Mademoiselle, tu es très belle. Merci. Donc, les hommes là, offrez ces magnifiques robes à vos différentes femmes. Voilà Saint-Valentin qui arrive. Ce sont des cadeaux vraiment idéaux. Une chose m'a marqué, vous avez dit que vous avez dit là. Je n'oublie pas. Une chose m'a marqué, vous avez dit que je n'oublie pas. Ah, bon, je sais pas ce que vous voulez par là dire. J'ai pas très bien compris votre message, néanmoins. Étant donné que vous n'avez pas de questions, on va devoir prendre congé des uns des autres. On se dit demain à 18h, même heure pour un autre live. Demain en matinée, toujours, je vous posterai le thème sur lequel on débattra. Et voilà, je vous souhaite de passer une très très belle fin de journée, une très très belle soirée et une bonne nuit par ricochet. Et on se prend demain 18h pour un autre live débat. Que Dieu nous donne longue vie, je sais pas. Comment devenir un gentleman? C'est une très belle question. Comment avoir ces robes? Comment vous contacter, s'il vous plaît? Vous m'envoyez un message. Fred Bill, si tu es en Europe, parce que j'expédie seulement en Europe, donc vous m'envoyez un message sur Messenger ou vous m'envoyez même un mail sur mon adresse. Mais si tu vas sur ma page, tu vas voir l'adresse mail là. Il y a même le WhatsApp, je pense, là, toujours parmi l'une des photos là où j'avais posté un WhatsApp. Vous allez retrouver ça là-bas. Tu m'envoies un message, tu m'écris sur Messenger, tu dis que tu voudrais acheter une robe directement, je vais te répondre. Donc, dès que je finis le live, je peux répondre à toutes les commandes que j'aurais reçues, toutes les personnes qui sont intéressées par soit l'e-book, soit les robes qui sont disponibles actuellement au prix de 35 euros uniquement. Comment devenir un gentleman? Très belle question, c'était la question de Diallo. Pour devenir un gentleman, mon frère, il faut d'abord que tu soignes ton apparence. Faut pas qu'on se mente, l'apparence, c'est le cercle de la vie. Tu peux être gentleman, ton apparence n'est pas soignée. Et quand je parle de ton apparence soignée, je ne te demande pas de mettre les vêtements de 100 000 francs ou de 100 000 euros sur toi. Non, je parle d'avoir un très beau physique. Donc, tu peux être gentleman, tu as les taches sur le visage. Assure-toi de soigner ton visage. Si tu as des problèmes de taches, de boutons, tu dois d'abord les éradiquer, d'abord pour être gentleman. Donc, ton apparence doit être soignée. Pour que ton apparence soit soignée, il faut que ton visage soit propre. Ou si tu veux savoir comment nettoyer son visage, tu as l'ebook aussi qui est épinglé en commentaire. Tu chopes ça, tu lis, tu suis tous les conseils, tu appliques ça. Tes boutons vont disparaître en 2 semaines. Toi, tu vas revenir me donner mon café par la suite. Donc, soigne ton apparence physique, soigne ton visage, soigne ton style vestimentaire. Un gentleman, c'est quelqu'un qui s'habille bien. Quand on voit un homme, on l'appelle gentleman très souvent parce que c'est quelqu'un
qui a une très belle morphologie et qui sait son style vestimentaire. Toi, un homme, si tu veux être gentleman, il faut savoir t'habiller en fonction de ta morphologie. Il faut savoir ce qu'il te va. Tu ne peux pas vouloir être gentleman tout le temps, tu es en pantalon destroy, les pantalons qui sont déchirés partout. Tout le temps, un homme, tu es déchiré comme un enfant, comme un gamin. Non, tu ne peux pas être gentleman comme ça. Les gentlemen, très souvent, sont en super sang. Super sang bien repassé que sur ton pied, le trait du milieu, il est bien tracé comme ça. Je vous avais dit qu'on ne sort pas avec les vêtements froissés. Un homme ou une femme ne marche pas en 2023 avec les vêtements froissés. Donc, un homme, si tu veux être gentleman, tu veux être élégant, il faudrait que tes vêtements soient bien repassés toujours. Et que tu portes super sans chimiste, très souvent, c'est ce qui passe à qui va presque tous les hommes. Donc, le style basique de tout le monde, que je dirais un homme, tout le monde, tu ne sais pas t'habiller, ok, tu réfléchis beaucoup. Prends un super sang, prends une belle chemise. Une chemise qui est ceinture, pas les grosses chemises, une chemise qui te va à merveille, à ta taille, à ta juste taille. Tu portes ça, tu prends une belle ceinture en cuir, tu mets ça au niveau de ton tour de taille, tu portes une mocassine ou tu portes une petite paire là. Tu es élégant, tu deviens gentleman. Et gentleman aussi, ça passe, pour être gentleman, ça passe par ta manière. Est-ce que quand tu invites une femme, une fille au restaurant pour la première fois, est-ce que tu prends la peine de tirer sa chaise? C'est très important. Quand tu vas au restaurant avec une femme pour la première fois, prends la peine de tirer sa chaise afin qu'elle s'asseigne. Si tu arrives avec elle, vous arrivez vous deux ensemble comme ça. Quand la femme veut s'asseoir comme ça, vous êtes là comme ça. Prends la peine, tu tires la chaise comme ça et puis elle s'assied. C'est ça qui fait aussi, qui rend en fait les hommes gentlemen parce qu'ils sont les gars galants. Les gentlemen sont les hommes galants. Malheureusement, si tu veux être gentleman, il faut que tu comprennes que tu dois être galant. La galanterie passe par ces petits trucs-là. Ta femme, tu sois avec une femme, tu veux qu'elle descende de la portière, sachant qu'elle a peut-être mis les talons comme moi, cela. Tu dois pouvoir ouvrir la portière de la voiture pour elle. Donc, gentleman, ça rime avec galanterie, ça rime avec élégance, ça rime avec propreté. Donc, c'est ça qu'il faut pour être gentleman. Les petits gestes comme ça, ça ne te coûte rien pour l'être. Dommage, je viens de prendre le direct. Je vous suis très pour j'apprécie vos conseils. Merci Salimata. Tu pourras revoir le live après. Le live va rester sur la page. Tu pourras revoir. C'est un live très intéressant, très enrichissant, comme chacun des autres lives aussi. Bonsoir, ma belle. J'ai des questions. Raïssa, pose toutes tes questions, ma chérie. Les femmes, les femmes, les femmes. Maman, Yate, je ne comprends pas ton français. Comment traverser la situation lorsqu'un homme ne donne plus de nouvelles? Un homme qui fait silence radio, ce sera aussi le thème d'un autre live aussi. Comment faire réagir un homme qui fait silence radio? Un homme qui fait silence radio, ma chérie, quand tu as fait une, deux, trois tentatives de le joindre, tu le laisses dans son coin. Les hommes aiment le fuir, moi je te suis. Tu es trop dans son sang, il te fuit. C'est quand je te vois en retrait qu'il va vers toi. Malheureusement, pas les hommes seulement, même les femmes, les hommes avec grand âge, donc hommes comme femmes, tout le monde aime le fuir, moi je te suis. Tout le monde aime ressentir le manque. Tout le monde aime quand tu restes comme ça. Ah mon chéri, je ne l'ai pas écouté depuis, tu sens le manque. Donc tu le fuis, il te suit. C'est ça que les hommes aiment en général. Donc fais le fuir, moi je te suis. Un homme, il décide de faire silence radio, tu le cries le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il voit tes messages, il ne répond pas. Ma chérie, tu restes dans ton coin. Alors, ça, rien que tu appelles sa mère au pays, tu appelles ses soeurs, tu appelles son meilleur ami. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton frère, avec ton ami? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Un homme qui fait silence radio, ma chérie, tu restes aussi dans ton coin. Tu es aussi enfant de quelqu'un. Montre-lui aussi qu'avant lui, tu avais une vie. Après lui, tu as une vie. Il fait silence radio pour rien comme ça. Vous n'avez pas de problème. Un homme décide de rester dans son coin. Tu restes aussi dans ton coin, ma chérie. Tu fais le miracle. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller, tu vas le forcer, tu vas mettre la corde au cou pour qu'il réponde à ton message. Non. Tu lui as écrit aujourd'hui, demain, il ne répond pas. Tu lui as laissé à 2-3 messages sur 3 jours différents, il ne t'a pas répondu. Tu restes dans ton compte, tu attends qu'il te réponde. Et s'il fait peut-être 1 mois, 2 mois avant de te répondre, ma chérie, tu le banques. C'est-à-dire qu'un homme tu n'es pas sa priorité. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Un homme qui aime pas va taper 2 mois de silence radio comme ça, même s'il traverse n'importe quelle situation. Parce que les hommes malhonnêtes vont toujours te dire que non, en fait, j'avais une situation difficile là que je devais gérer en famille. J'ai traversé une période très difficile dans ma vie. Ça ne veut rien dire. Quand tu aimes une femme, quand tu travailles un moment difficile, tu veux qu'elle soit à tes côtés pour batailler ces moments-là. Tu ne veux pas la mettre à l'écart pour venir dire que non, en fait, c'est parce que j'ai traversé un moment difficile, j'ai perdu un oncle et tout. Ça ne veut rien dire, c'est un menteur, c'est un VI. Il te vend les illusions, non? Un homme qui fait silence radio 1 mois, 2 mois, sache que tu es célibataire, ma chérie. Tu n'es plus en couple. Il revient après 2 mois. Tu es célibataire. Est-ce que c'est encore ton chéri? C'est même plus ton chéri. 2 mois de silence radio, tu es célibataire. Je te déclare officiellement célibataire. 1 mois, déjà 30 jours, c'est officiellement célibataire. Parce qu'il fait silence radio, il revient après une semaine. Bon, il s'excuse. Tu essaies de voir s'il change et tout. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais 1 mois, il faut savoir que tu es célibataire, ma chérie. Parce qu'il va te donner quelle excuse? Qu'est-ce qui peut justifier un silence radio qui naît d'un coup comme ça, brusquement? Tu n'écris plus, on t'écrit, tu ne réponds plus, on t'appelle, tu ne décroches plus. Ma chérie, tu es célibataire, il faut le savoir. Je n'arrive pas, j'ai peur devant une femme, je n'arrive pas à débuter une conversation. Diallo, ça veut dire que tu es une personne qui n'a pas confiance en toi. Tu es un homme qui doute un peu de soi. Donc, tu ne dois pas pouvoir, une femme ne doit pas pouvoir t'intimider. Tu dois pouvoir parler à une femme sans souci.
sans rétention surtout. Donc, tu dois pouvoir le faire. Si tu n'arrives pas à parler à une femme, il faut savoir que tu n'as pas confiance en toi. Il faudrait que tu te regardes dans le miroir, tu te dises que je suis un homme. Et un homme, ça ne s'intimide pas. Un homme, ça ne s'intimide pas. Personne ne doit t'intimider. Tu dois lui parler naturellement. Sois toi-même, en fait. Dis-lui ce que tu voudrais lui dire. Tu vois, tu ne dois pas avoir peur. Tu as peur pourquoi? Tu as peur qu'elle va te juger. En 2023, là, on n'a pas peur des préjugés. Hein. Même si tu dis, après, le prend mal ou bien après, demain, elle te bloque, elle finit la discussion, ou bien peut-être elle se rend compte que tu n'es pas son genre, elle n'est pas intéressée par toi. Au moins, si tu as été toi, tu as été vrai, tu as été naturel, tu vois. N'aie pas peur de parler à une femme, pas du tout. Oh non, je suis mariée au contraire, une femme. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'appelle comment? Dialoba, je t'appelle comment? Je n'ai pas compris. Quelles sont les bonnes idées de business avec les types de budget? Bon, là, c'est un autre thème, mais tu veux les idées de business? Tu es en Afrique ou bien tu es d'abord où? Raïssa Maïle, qui veut les idées de business là? Tu es où? Dans quel pays, quel est ton business, dans quel secteur tu voudrais te lancer? Là, ça dépend. Posez vos questions si vous n'avez plus, on se sépare. Là, je pense que le live est déjà à 1h20, donc je pense que je vais l'arrêter à ce niveau-ci. Là, on se prend demain 18h, même heure et même page et tout. Donc, rendez-vous demain à 18h pour un autre live. Je vous posterai le thème demain. N'oubliez pas toujours les heures de publication. 8h30, 13h, 17h et 20h. Donc là, j'arrête le live parce que je dois faire une publication sur la page. La publication de chaque 20h. Et voilà, on se dit à demain. Passez une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Que Dieu soit au contrôle de votre nuit. Que les anges vous protègent. Bonne fin de soirée à vous. Bisous. Ma chérie, homme qui va te marier, vraiment, il a trouvé une bonne femme parce que tu as bien compris la vie. Je t'aime. Love you too. Je vous aime tous. Je vous aime énormément. Merci pour tous vos commentaires positifs. Merci aussi à ceux qui partagent mes lives. Sachez que vous êtes les vrais fans. Vous me montrez vraiment à quel point vous appréciez mon contenu et que vous m'appréciez aussi en tant que personne. Toutes ces personnes qui partagent, qui commentent, sachez que Dieu vous le rendra au centuple. À demain. J'ai dit à demain plusieurs fois. Bon, cette fois-ci, à demain pour de vrai. Portez-vous bien. Bye bye. Bisous.